Au programme du label à l'apéro ce soir, on en parle en podcast la semaine dernière, les restos ont explosé, on veut avoir votre avis. Et le sujet du soir, les plages de Disney, quels parcs ont copié Disneyland Paris ou d'autres parcs Disney? Et surtout santé, mais pas des pieds. Salut Maxime, comment ça va? Non, en fait c'est juste que je voulais entendre le sommaire parce que comme tu me l'as pas envoyé en amont, moi je savais pas, tu vois, donc il a fallu... Si, je l'ai mis. Coup dur pour le conseil de discipline, le conseil de guerre. Eh oui, bah, en plus j'ai une caméra, c'est bizarre, les gens ont pas l'habitude. Hein. J'ai jamais. Première fois qu'on voit ma tronche sur un stream. Hein. Et... Bah ouais, carrément. J'ai oublié d'allumer mon micro. De quoi? Bah, qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai pas allumé mon micro. Mais putain, mais Maxime. Je vais te démonter. Ça fait une heure qu'il est en chien sur les problèmes techniques. J'en peux plus. Je sais pas si les gens m'entendent, mais j'en ai marre. Mais là si, non. Tout le monde t'entend, vraiment. Juste oublié. Bonsoir tout le monde, comme vous voyez, je suis de bonne humeur. Sur le bouton. Grâce à Maxime. C'est tout. J'ai pas appuyé sur le bouton, je me suis dit non, ça sert à rien. Pour la peine, je vais mettre un petit retour. Comme ça, je vais m'entendre. Voilà. Ah, parfait. Ah non, je m'entends en écho. Ouf, j'en ai déjà marre. En fait c'est fou parce que faire des lives avec toi, on est crevé au moment où ça commence. Moi, je m'use. Vraiment, les gens n'imaginent pas depuis combien de temps tu me saoules avec la caméra. Ça fait 40 minutes que je suis chez moi, je peux pas bouger. Ouais, mais ça marche bien. J'ai dû couper du saucisson si vite que je me suis coupé le doigt comme un con. La moitié de ma phalange est coupée. Alors moi j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas mis de bière au frigo ce soir. Et en fait vu tout ce que je picole depuis environ 15 jours tous les week-ends, c'est une saturation de l'alcool. En fait j'ai trouvé un fond de... Oh putain, j'ai un moucheron à l'intérieur. Bah j'ai de la protéine avec. Alors ton nouveau système pour la diffusion c'est bien mais ton son est faible. Ah. Mon son est faible. Chez moi, ouais. Je sais pas si chez les gens, oui, mais chez moi, ouais. Non, chez les gens, non. Peut-être que si je monte mon micro. Je sais pas comment tu peux faire. En tout cas, tu m'entends. Je t'entends, mais je vais essayer de m'arranger, mais c'est pas... Ouais. T'inquiète. Je vais baisser audio le son source, du reste. Ok, nickel. Bon, voilà. Et moi, il me faut juste le chat, la chat box. Ah. Donc en fait j'ai retrouvé un fond de bouteille que j'avais dans mon frigo. Oh putain. Que ouais, je sais pas le, qu'est-ce que le c'est. Le label et le clodo quoi. Ouais, ce soir oui. On va quand même dire bonsoir aux gens, bonsoir Asturian, bonsoir Sam Therapy. Bonsoir Projet DLP, bonsoir tout le monde. Bonsoir Léa Ricolette. Devine ce que j'ai sur la tête, Maxime. Un bonnet. Non. Un collant. C'est un cache-cou. C'est un cache-cou. J'ai acheté un lot avec un bonnet, un cache-cou et des gants, et j'ai perdu mon bonnet au bout de la deuxième fois, c'est la tradition avec les bonnets. Bah oui. Et du coup, j'ai un cache-cou, et je me suis mis sur la tête, et ça fait un peu... ça donne un style, je trouve. Ouais. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit côté... Et ça un petit ça peu, arrive à être moins ridicule que le chapeau de Valar. Moi, je trouve que oui. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté « je vends de la drogue » dans GTA. Salut Fanny, salut tout le monde. Et on peut faire un tout petit coup avant de passer au sujet principal, comme on a l'habitude, une petite ouverture. Un sujet qui Attends, a été... Attends, mais tu bois quoi? T'as même pas dit? Ah, pardon. Alors, c'est quoi ma bière? C'est... Salut Ré... Putain, merci Léa Ricolette. Merci pour ton sub. Oh, merci. 19e mois, c'est incroyable. C'est une coquette. En plus, on peut le dire maintenant, on est une... Une fratrie? Je sais pas. Une association. Une association. Je crois qu'on a le droit de le dire. On a le droit de le dire. Et du coup, tous les fonds que vous reversez iront tout droit à l'association et vous aurez le droit de ne pas les déduire de vos impôts parce que. Une association, mais on n'est pas une association qui fait des trucs bien. Non.
Et ah, j'ai mis la lumière. On me voit. Bah, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Putain, ça quoi que. Pas sûr. Pensez à cette personne qui disait que j'étais mignon dans le chat et qui disait aussi que le chapeau de Valar était mignon dans le chat. Je sais pas si t'as vu Max, mais dans mon décor j'ai caché un Easter egg spécial spécial pour Valar et toi. Arvan. Arvan. Eh oui. Hippie. Le côté un peu véhicule. Côté un peu, ah putain. Un van qui m'a été offert par la mère de Léa. Ah voilà. Merci la mère de Léa. Là, Léa nous file son 19 voix d'abonnement et puis. Bisous à Dominique. Bisous Domi. Et du coup, t'as dit ce que tu buvais, non? Toujours pas. C'est une coquette. Attends, je vais vérifier le nom. C'est une coquette, je crois. Coquette. Il est mort? Il est parti chercher sa bière. Ah, ok. La préparation, vous pouvez voir, elle est au taquin. Hein. C'est ça. C'est une coquette. La coquette qui est brassée en Champagne Ardenne, précisément. À Bouzy. À Bouzy. Ben moi, c'est une Victoria. Et je l'ai prise parce que je trouve l'étiquette cool. Donc, je profite de ma caméra. Et du coup... voilà, c'est bien, c'est woke. C'est un petit côté un peu victorien, je trouve, là-dedans. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, c'est une bière belge que je ne connais pas plus que ça, donc je vais tester et dire ça. Ce sera toujours bon à savoir pour les... Oh bah oui. Attends. Bravo. Faut faire ça bien. Bravo, bravo. Pourquoi tu veux un peu de dépôt? Moi, je pense que... Et n'oubliez pas, hein, avec modération. Qui c'est, modération? D'ailleurs, on n'a pas de modo ce soir. Non, c'est vrai. Donc... que ce soir, la modération. Il y aura donc pas de Valar. Pas... Ouais, on vous modère pas ce soir. On n'aura pas de Valar qui va nous faire des sondages. Bon, alors, tu voulais faire un before sur quoi? Sur les prix des restos? Ouais, sur un sujet dont j'ai pas eu l'occasion de parler, que vous avez parlé en podcast, mais que pas moi. Ah, over. Il sera bientôt collecteur celui-ci. Tu penseras quand t'auras plus d'argent? Celui-ci, je l'ai acheté pour Vincent et je m'en étais acheté un, mais je l'ai déjà cassé, donc merci Vincent, à la tienne. Et ben santé. Hein. Mais pas des pieds. Ben ah putain. Ça doit faire 2 semaines qu'elle est dans mon... Ah putain, mon dieu. Elle était bonne quand j'ai ouvert. Hein. Elle a plus de bulles. Ah ouais, c'est sûr qu'il y a 2 semaines. Ah vache. Elle est dégueulasse. Mettre un peu de piquant là-dedans, ça aurait été mieux. Et donc ouais, donc les restos, les prix des restos. Elle est pas mal, hein. Bien corsé, je vais être bien en fin de live, hein, je te le dis. Ah, putain. Donc les restos, les prix des restos ont franchement augmenté la semaine dernière. On peut faire une petite échelle? Ouais, alors dans les grandes ah, lignes, merci, là, c'est pas ce trop cher. Il y en a, c'est du 5-10%, et il y en a, c'est du... je crois que le plus cher, finalement, c'est les fast-food, si on considère que... Si on considère que maintenant, si tu veux rajouter les desserts, il faut compter 4-5 balles de plus. Là, tu es à 30%. Mais entre 5 et 30% les augmentations. Alors, donc, nous, on en a parlé dans un podcast. Pas toi. Moi, je trouve ça incroyable. Je prends de mon exemple. Je vais dans 2 semaines, environ 1 semaine et demie, 2 semaines, je vais au Hunter manger le buffet à volonté de raclette en me disant ça coûte 38 balles. Au final, non, ça va coûter 45 balles. Bon, avec mes 10% passeport annuel. Au final, non, ça va me coûter 45 balles. Je suis un peu la gueule, j'avoue. Je fais aussi la réflexion que, ben, au final, t'as quand même un dessert en moins à chaque fois. Donc, technique, si tu veux prendre bien un dessert, mais genre, toute petite pause sucrée à la fin de ton repas, c'est plus possible. Il faut que tu dépenses encore 4-5 balles en plus pour ça. Pourquoi? Ça sert à rien. Enfin, si, ça a de l'argent. En fait, j'en suis arrivé à un point où j'ai l'impression de redevenir un étudiant, où quand je vais à la DLP, je vais me faire mon sandwich. Et je vais me poser la question de est-ce que je mange le midi, est-ce que je mange le soir, ou est-ce que je mange, de manière à pouvoir avoir un dessert. En fait, j'ai l'impression de me faire... Et pour autant, la qualité de la bouffe ne sera pas aussi bonne. Tu prends, t'avais pris ton exemple de t'as bouffé un burger froid au Vidéopolis. Je pense qu'à 18 balles, 20 balles, on aura toujours le burger froid. Bah 20 balles, moins les 10%, mais ça reste 20 balles, hein, quand même. On aura toujours un burger froid à Vidéopolis. En fait, moi, on avait fait le calcul, c'est que t'arrives à un point où Big Fernand, c'est moins cher que les burgers de DLP. Donc, il y a quand même un problème, quoi, parce que, bon, déjà, moi, je suis pas fan de Big Fernand, je trouve ça trop cher. Mais
On en est à un point où je suis désolé, mais c'est clairement au-dessus, quoi. En termes de qualité, c'est incomparable. Et tu peux rien faire de plus, quoi. Non. Et bah, t'as projet DLP qui demande si c'est un choix d'argent ou un choix économique, car trop de gaspillage. Je pense que c'est un choix d'argent plus qu'un choix économique. Je pense que c'était s'ils avaient voulu, tu vois, enfin, ils auraient très bien pu baisser les prix vu qu'il n'y a plus les desserts. Ils auraient pu retirer 1 ou 2 euros, tu vois, si c'était une histoire de gaspillage. Et comme ça inciterait les gens à prendre le dessert à part ou tout ça, et ce serait mieux passé. Là c'est chaud, quoi. Je pense que clairement ils se sont dit bon, les gens ils veulent leur dessert, s'ils veulent continuer bah ils filent l'argent et puis c'est tout, hein. En fait, c'est un peu comme dans toute la veine économique actuelle. Les passeports annuels augmentés sans pour autant avoir une offre de show et puis une offre d'attraction supplémentaire. Allez, on peut considérer qu'Avengers Campus, au final, Avengers Campus, c'est quoi? C'est une attraction et demie. Non, c'est autant d'attractions qu'il y a encore 3 ans. Et puis, sur le point de vue show et spectacle, au final, on tape une saison des 30 ans qui va durer 1 an avec un show. Enfin, 2 shows, et alors qu'avant on avait des shows saisonniers et pourtant c'était moins cher. Non, c'est juste dans la veine actuelle de on augmente tout pour faire plus de bénéfices et puis pour, je sais pas, bien se faire voir de la maison mère, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, j'ai vu des Américains qui disaient qu'il y avait peut-être une question d'objectif qui était très élevé pour l'année prochaine et qui aurait été donné à Damaro et que du coup. Bah, c'est comme ça que ça se matérialise chez nous. C'est possible aussi, mais... T'as Goudkar qui pose une bonne question, qui dit que dans certains menus, ça aurait été plus de sens de retirer les accompagnements, genre le pain à l'ail au Bélanoté ou à Tease. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est plus logique pour le consommateur. Pour DLP, eux, ce qu'ils voient, c'est que si tu retires le dessert, tu vas être tenté soit de le rajouter, soit d'aller grignoter derrière. Alors que... Le pain à l'ail, si non. Si t'as pas le pain à l'ail, tu vas te dire tant pis, tu vois. Oui. J'ai mangé mon dessert, j'ai fait mon repas. Même si t'as un poil léger, au moins t'as un truc complet. Et projet DLP qui nous dit qu'il faut plus appeler ça un menu, plutôt un choix. Oui, malheureusement, oui. C'est clair que... C'est un choix avec option. Ouais, en fait, je pense qu'on est en train de subir... Alors, de une, on est en train de subir, en fait, les choix de Chapek. Alors, c'est pas son avis, hein. Les choix de Chapek. Parce que Chapek avait décidé de faire plus d'argent en mettant pas pour autant plus de qualité. Et en plus de ça, ils ont perdu de l'argent, donc il faut commencer à rembourser l'argent perdu. Bah, surtout, en fait, récupérer l'argent qui est investi dans Disney+, il faut le trouver ailleurs, quoi. C'est ça, hein. Donc, ouais. En fait, on paye Disney+, là. C'est... Ouais, et comme tu dis, Goudkar, l'offre elle est inférieure à 2018. Après, tu peux toujours discuter, tu vois, tu peux toujours dire ouais, je pense que à l'année, tu dois avoir plus de spectacles qui sont joués aujourd'hui qu'avant. Par contre, ils changent moins. Oui. Et sauf à Noël. Ouais, oui. Et quoi que, même à Noël, tu vois, regarde, la plupart des salles sont pleines. Hein. Faut être honnête. Le théâtre du c'est le seul qui est pas plein. Actuellement, il y a que le théâtre du château et puis le théâtre qui sont pas utilisés à bon escient. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est pas si mal, tu vois. Et le problème, c'est pas tant le nombre de choses, c'est l'adaptation selon les saisons. Qui pénalise finalement beaucoup plus les passes annuelles que les visiteurs occasionnels qui, eux, s'en foutent parce que bah, s'ils viennent une fois dans l'an, bah, ils n'ont pas vu Mickey le magicien, ils n'ont pas vu la Terre des Lions, ils ont des shows à aller voir. Alors que nous, bah, on y retourne pour voir Noël, bah, on fait la parade et puis après, tu te dis, ouais, il y a vite fait Vidéopolis et il y a Dreams of Noël. Puis au final, un scandale, Dreams of Noël, hein, vraiment. Au final, la Vidéopolis, on y va aussi par exemple, pour prendre une pause gourmande en regardant le spectacle, mais même la façon gourmande, on pourra plus la payer. Il y a un projet DLP qui nous demande, qui est dans les sites des autres parcs, il y avait aussi la pratique courante d'avoir des restaurants qui ne proposent pas plat plus dessert. Alors, pour avoir fait plusieurs fois le parc Astérix, à chaque fois, de toute façon, mon avis va peut-être faire rager certains, je fais le relais gaulois. J'aime bien le côté flunch parce que tu bouffes ton. Enfin, la fois que j'ai fait, j'en ai eu pour 20 euros avec une bonne entrée, un bon plat et puis un bon dessert. Et quand on est allé à Plopsa. En fait, je te répondrai. Plopsa, c'est différent. Walibi, on a eu l'offre complète. Je te répondrai, Goudkar, que de manière générale. C'est moins cher.
C'est surtout moins cher en fait. Donc c'est pas tant que... Non, les desserts dans les menus, c'est un truc très français en fait. Si tu regardes, il y a beaucoup de pays où on prend pas de dessert à la fin du repas. Ouais. Par contre, c'est juste que c'est ce qui permettait aussi d'expliquer un peu le prix un peu élevé à DLP, tu vois. C'était de dire, bah ouais, mais au moins t'as le dessert, au moins t'as le cadre et tout ça. Aujourd'hui, le dessert, bah tu l'as plus. Le cadre, bah tu vois, genre dans des cas comme le Lucky Nugget, ça se casse la gueule. Donc, oui. C'est compliqué, quoi. Sur un temps, le Lucky Nugget, où tu payais clairement aussi la prestation, le show. Bah oui, c'est ça. Non, le show n'existe plus. Il n'y a plus aucun show. Il n'y a même pas le Gus avec sa guitare. Il n'y a pas un type avec un piano. On ne demande pas, forcément un show de ouf au Lucky Nugget. Pour moi, il n'y a pas besoin de grand-chose, vu que le salon est déjà beau en lui-même, le saloon. Mais tu mets un type au piano, tu mets deux gars avec une guitare. Mais pareil, au Cowboy Cookout aussi. Hein. Cowboy Cookout, t'avais des Je crois que sur la scène, je crois maintenant que sur la petite scène du Cowboy Cookout, je crois que maintenant, c'est des tables. Ils ont mis je suis pas sûr, mais de toute façon, ils s'en foutent, donc... Oui. Mais, donc, non, quand on est allé à Walibi, on a payé... Après, tu vois, à Walibi, on a dû payer 13 euros, un truc comme ça, mais pour un menu où la taxe Walibi, entre guillemets, est vraiment raisonnable, parce qu'on a eu, pour un menu qui coûtait que 2-3 euros de plus qu'au McDo. Ouais, c'est ça, et en réalité, c'était pas... C'était bien, Bon, le cadre c'était cool, c'était pas exceptionnel, hein. C'était quali, mais c'était mieux que... tu vois, c'était un truc de poulet frit, donc on peut dire que c'était meilleur qualitativement que du KFC, je trouve. Et franchement, j'ai pas eu à me plaindre du tout. Après, on n'a pas cherché Milan, on a mangé qu'un truc vite fait. Mais même à Plopsa, en réalité, si tu regardes, à Plopsa, ouais, on a payé un peu cher, mais c'était bon, c'était meilleur et que... Et pas de dessert. J'ai mieux mangé à Walibi qu'à Plopsa. Hein. Ouais, mais tu vois, à Plopsa, on a payé 14-15 balles, on a eu une pizza Hut, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas de la grande qualité, c'est meilleur que le Hatties et le... Ouais. Et oui, parce que c'est une pizza en plus qu'ils font devant toi. À Stark Expo, là, tu payes peut-être 13-14 balles ta pizza qu'ils font devant toi, mais t'as pas la boisson avec, t'en as pour facilement 17-18 balles aussi. Les tam-tams, ouais, je les ai pas revus depuis le Covid. Ouais, les tam-tams. Je sais pas quand ça est sauté. Les tam-tams dans le Colonelati, moi, je les ai vus rarement. En général, ils les mettaient lorsqu'il pleuvait dehors. Ils étaient plutôt vers Hakuna. Ouais. Je les ai vus dans le Agraba parfois. Ils se baladaient parfois, hein, donc ça m'étonne pas qu'ils soient passés au Hatties. Mais ouais, tout ça, la sphère a disparu. Hein. De toute façon, si vous voulez de la tristesse bonne fer, vous allez au campus et puis c'est tout. Rien d'autre. Et puis attendez le bon moment quand il pleut pas et quand il fait pas de canicule. Et pareil pour les tam-tams, je pense qu'on aura aussi un peu plus de mal à aller voir le chef des musiciens des tam-tams africains est décédé l'année dernière, je crois. Voilà. Après, tu vois, Goodcar, pour l'augmentation des prix, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas choquant en soi qu'il y ait une augmentation des prix. Mais là, c'est l'ampleur de celle-là qui est folle. Tu vois. C'est l'ampleur et c'est le rapport quantité-prix, quantité-qualité-prix. Pareil, tu pourrais avoir un menu à 17 balles avec un burger qui est qualité, comme un Big Ferdinand. Le projet DLP, oh, les tam-tams, c'est l'été, mais pas cette année ni l'année dernière. Hein. De toute façon, la musique n'existe plus DLP. Hein. Oui, en fait, t'as vraiment plus... chercher des trucs d'ambiance que vous avez vu à DLP ces derniers temps... À part au campus, je sais pas. Hein. Il n'y a plus rien. À Studio 1, t'as plus jamais un orchestre. Non, t'as plus. J'ai plus du tout de musique. C'est fini. Les seuls endroits où t'as de la musique live, c'est sur les spectacles. Oui. Qui est le magicien. Pour les chanteurs. Le Chantons Noël. Chantons Noël pour les chanteurs aussi. Et c'est. La Trackstacle Frozen et. Pour les chanteurs. Et la Fabrique des Rêves. Et aussi dans Le Roi Lion. Et dans Le Roi Lion, il y a 4 musiciens. Là-dedans, ouais. Et même le chant live. Salut Nagla. Bonsoir. Mm-hmm. Putain. Ah la vache, le 26e mois, incroyable. Merci Nagla pour le Prime. Et merci Goodcar aussi pour le Prime. Tu l'as fait plus tôt, on t'a pas remercié. Merci. Et vous êtes vraiment des génies, vous êtes des boss. Nagla est en train de s'autofinancer, c'est incroyable. Non, c'est une association, Max. C'est vrai, il s'autofinance son association. Faudra qu'on fasse l'annonce un de ces jours. Ouais, c'est vrai. On passe en assaut.
Ils ont profité du Covid pour faire un gros ménage. C'est sûr, ils ont profité du Covid pour faire un gros ménage. Tout à fait. Mais tout à fait, les réductions budgétaires en tous les sens. Donc, en tout cas, voilà, ces augmentations de resto, c'est quand même une sacrée claque, une sacrée honte aussi, quand même. Quelle entreprise s'est permis d'augmenter autant ses prix en gardant une qualité de prestation similaire? Mais quand je dis ça, que ce soit pour un parc d'attraction ou je sais pas, pour des voitures et des trucs comme ça, qui s'est permis d'autoriser autant ses prix en gardant une prestation moindre, même moindre? Mais surtout, en fait, ce qui est ouf, c'est que les prix étaient déjà très élevés avant. C'est pas. On peut dire, oui, il y a une augmentation parce que partout les prix augmentent, mais ils n'ont pas besoin de ça pour être largement bénéficiaires sur la bouffe, quoi. Vraiment pas. Ils n'ont pas augmenté les prix, ils n'ont pas augmenté les salaires des employés alors qu'ils, soi-disant, galèrent à embaucher. Ils n'ont rien augmenté de significatif. De ce côté-là, c'est presque l'inverse. Ils ont réduit le nombre de bus en interne, il y a des trucs comme ça qui se savent un peu. Ils ont un peu marouflé au niveau des intermittents. C'est pas le contraire, quoi. C'est que vraiment, ils sont pas en train de dire bon, on se fait plein de fric, ok, mais au moins on le redistribue un peu là où on en a besoin. Non, non, on fait plein de fric, on le garde, on améliore le bilan, et ça y est, DLP fait de l'argent, et on est fiers de le dire partout, quoi. Ouais. 30 ouais, ans. Marouflé, Nagla. Ils font de l'argent au bout de 28-29 ans. Et tout ça pour financer, clairement, les concerts américains. Américaines. Ouais, non, mais après... Pour financer Disney+, et les concerts américaines. Enfin, quand à partir du moment où nous, notre annonce, c'est... à flat ride réponse, et puis que de l'autre côté ils annoncent Tron, et puis une grosse zone avec 3 milliards, il y a un peu un décalage, quoi. Oui, bah ouais. Après, je dis pas, on nous annonçait un lac et puis 3 landes, enfin 2 et demi. Allez, il y a 3 landes et demi avec le lac. Tu sais quand on nous l'a annoncé, Max? Oui, il y a 4 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi, presque 5. On peut ressortir la photo avec dans le bureau de Macron ou pas? Avec collecteur. J'ai pas sous la main, mais tu dois l'avoir. On l'a mis la dernière fois. Est-ce que t'as envie? Non, ça m'énerve. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup. Enfin. Pour financer les bureaux de Natacha, oui, il y a eu ce tweet de Ali, effectivement. C'était Ali, je crois. Ouais. Qui dit qu'il lançait en gros, le nouveau bâtiment Imagineering qui a été inauguré il y a quoi? Il y a 2 ans? 1 an? Je Et que vous crois, pouvez mais... voir si vous allez vers... si vous prenez la route qui fait le tour du parc, c'est un peu long à pied, mais c'est une longue balade, et que vous passez derrière les studios, et vous pouvez le voir, un bâtiment backstage qui est, pour le coup, très joli, ce qui est rare, et qui est neuf. Il est surtout en dur. Il était fait pour Imagineering. Il était fait en dur, non, si je pense, ce bâtiment. Oui, il était fait en dur, celui-là, ouais. Et a priori, si on en croit ce que dit Ali sur Twitter, la direction de DLP s'y est installée et le rénove avec 2 millions d'euros, ce qui est pas mal, hein, finalement. Ouais, c'est sympa. Ah, ça, c'est la prime Disney, c'est... Ah, ça, c'est le surplus, c'est le... La taxe Disney, la fameuse. Mais oui. Celle qui fait que, par exemple, un flat ride test coûtera à peine 1 million avec toute la zone dans un parc, et puis en coûtera environ 15 dans un autre parc. Je crois que 1 million, t'es même gentil. Hein. Bien savoir, t'es même gentil avec DLP, hein. On va dire avec l'inflation. Ça, merci Efteling d'avoir fait une super zone, parce que nous, on aura la même chose... Voilà ce qu'on tire par rapport au... Enfin, mon avis par rapport au resto, voilà, c'est tout. Je vais me restreindre sur un repas, ou alors, quand j'aurai réservé mes visites, de façon 2 mois à l'avance, que j'ai pas le choix quand on a une visite 2 mois à l'avance, maintenant, je me mettrai 50 balles de côté pour me payer 2 repas, et puis un casse-croûte dans l'après-midi. Puis je partirai sans goodies. Mon poignet moyen aura beaucoup baissé. Eh oui. Ben ouais. Non, mais c'est vrai, enfin, moi c'est la même chose, hein. Je me dis déjà, mais ça va continuer, c'est-à-dire que
Je remarque que j'y vais moins à DLP, moins que parce que j'y allais à une époque, c'était toutes les deux semaines. Là, c'est bon, bah quand il y a une occasion qui se présente. Alors ouais. Des fois, ça va pas être si rare, mais des fois, c'est beaucoup plus espacé et finalement. Pour ma part, j'y allais tous les mois et demi. Ouais, donc tous les mois, tous les deux mois, et ben, maintenant, en fait, j'y vais. Si j'y vais tous les deux mois, c'est un coup de bol et c'est réservé deux mois à l'avance, quoi. Avant, je pouvais me dire qu'un jour avant, j'allais DLP dans 15 jours. Ou, ouais, mais sur tu vois, un pour coup moi, je peux y aller. Et pour moi, c'est même pas le seul truc, tu vois. Pour moi, c'est aussi... t'as ça, t'as le fait que... maintenant, les restos coûtent cher, donc tu vas avoir moins envie de te poser là-bas. Ah, c'est ça. Il y avait le fait que les spectacles changeaient tous les trois mois, donc en tant que passe annuel, t'avais envie ça de retourner plus souvent. Ça motive plus. J'avoue que là, avant, là, quand j'y retourne, j'allais un minimum de 4 fois par an, 4 à 5 fois par an, donc, dont une fois à Halloween et peut-être une ou deux fois à Noël, plus les étés, tout ça. Parce que y avait toujours une saison qui me motivait à y aller, qui me donnait envie. Et là, j'ai vu Chaud des 30 ans, je l'ai vu qu'une fois, mais je l'ai vu qu'une fois, j'ai trouvé bien sans pour autant me donner super envie. Donc ce show, j'ai dû le voir peut-être trois fois depuis son ouverture. Et encore, c'est qu'il y a eu des contextes à chaque fois différents de pourquoi je l'ai vu. Mais au final, c'est pas Chaud des 30 ans qui me motive à y aller. Hein. C'est pareil. Hein. Le truc des drones, je trouve ça vraiment génial. Par contre, quand je suis à Disney, j'aimerais bien rester au moins jusqu'au drone pour pouvoir voir le truc des drones, parce que je trouve ça vraiment cool. Mais c'est pas ça non plus qui va me pousser au cul pour aller voir un show pour aller passer une journée à DLP. Hein. C'est pas de voir 150 drones dans le ciel. Hein. Non, puis pour moi, tu vois, il y a un souci avec le show de drone qui est que... en fait, il crée un bordel. Il crée un bordel organisationnel. Tu vois, et un peu le... Pas à la même échelle, mais tu vois, le même truc qu'on expliquait pour la parade électrique, c'est-à-dire que tu fais un truc que des gens veulent voir, puis après tu fais un show nocturne différent, et du coup, le fait d'avoir une parade électrique plus Dreams en même temps, à l'époque, ouais. Ça posait problème, et ça faisait un espèce de gros merdier au niveau opérationnel, c'est très compliqué à gérer, notamment les flux de visiteurs, et c'était l'angoisse. Et ça, c'est logique. Là, c'est... on le vit encore. Hein. C'est quand tu veux. Mais c'est ça. Quand tu c'est veux que maintenant, le show, quand tu vois les tu gens vois qui partent de Delight, ouais. Ça fout un bordel monstre. C'est ouais. Pas le même niveau de bordel, mais c'est quand même chiant. Non. Et du coup, t'as les gens qui essayent de voir Illu ou Dreams of Noël, s'ils veulent vraiment, et qui sont emmerdés parce que t'as des gens qui partent, ouais. Et du coup, t'as les poussettes qui te rentrent dedans, et c'est le dawa, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Après, c'est le genre de truc qu'il faut que tu anticipes avant d'aller voir Delight. C'est savoir si. Tu veux avoir une vue, si tu veux une vue à minimum sympa, ben en fait il faut que tu anticipes de quitter Main Street en étant au milieu, d'arriver tôt et te faire pousser. Ouais, c'est un peu. Mais je trouve ça cool sur une boîte qui a 30 ans d'expérience de faire d'apprendre de ses erreurs. Mais vraiment, hein, faut signifier notre mécontentement et moins aller dans les restos. Oui. Il n'y a que comme ça qu'ils comprendront. Hein, c'est qu'en voyant qu'ils changent leur politique tarifaire et s'ils voient qu'ils font moins de fric, bah, peut-être qu'ils reviendront à avant. Mais je pense pas du tout. Ils reviendront pas avant, mais peut-être qu'ils rechangeront la formule pour un truc un peu mieux. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on râle qu'on n'aime pas la destination. Au contraire, bien on sûr. Râle parce qu'on aime la destination et parce qu'on est triste de l'avoir changé autant, tout autant, toujours autant. Changer aussi négativement. Somme de quel mouchoir, putain. Ouais, et je suis enrhumé ce soir en plus, c'est génial. Je disparais. Ah. Avoue que tu disparais, j'espère que ça va revenir facilement. Et je réapparais. Alors, donc prochain LP nous dit qu'il y va aussi moins. Et surtout, il fait chaud de profiter du foot que de prendre du merch, par exemple, lui. Et que, bah, malheureusement, tout est trop cher. Quand tu vois le Monopoly qui coûte 70 euros, alors que ça devrait en valoir au moins 5, 20 de moins. Que les pins, pareil. Les pins, on s'en rend pas compte, mais les... Bon, enfin, vous, non, parce que vous en achetez pas. Moi, je m'en rends compte, mais les pins, en fait, ils ont tous pris 3 à 4 euros dans la gueule. Et en plus, ils ont eu cette bonne idée de laisser les tarifs avec les couleurs. Donc, eux ont pris 1 euro, mais ça, à la limite, c'est un peu le genre de truc à s'y attendre. Plus d'autres pins où est-ce qu'ils mettent les prix dessus. Donc, t'as des pins qui coûtent facilement 13 balles, 14 balles, au lieu de maximum 11, 12. Ah ouais.
Et les pins limités, pareil, les pins limités, fini l'époque où est-ce qu'ils coûtaient 16 euros, maintenant ils coûtent 20 euros. Alors je dis pas, ils sont de plus en plus gros, ils sont de plus en plus travaillés aussi. Il y a plus d'épaisseur, il y a toujours un petit, des petits mécanismes pour qu'ils bougent, ce qui n'était peut-être pas avant. Mais maintenant, ouais, ils coûtent facilement 20 euros. Tu préférais l'époque des micro-pins moins chers? T'aimes bien les micro-pins? Ah la vanne, ah la vanne pourrie, ah mon dieu. Goodcar qui nous dit que lors de son séjour en novembre, il était surpris de voir énormément de gens partir au Dreams of Noël lorsque Olaf dit c'est fini. Alors que oui, il y a le post-show Delight après Dreams of Noël. Ouais, alors c'est rigolo, hein, mais c'est pas marquant, hein, le post-show. En réalité... Peut-être le... Je dirais que t'as la fin du Dreams de Noël aussi avec une voix, un espèce de gospel et un peu de laser, notamment sur le château. Et c'est un peu bizarre parce que ça faisait déjà un peu post-show. Et déjà à l'époque. Du coup, là, peut-être trois post-show, tu vois. Enfin, c'est. À l'époque du Dreams de Noël, pour ceux qui l'ont connu, les gens partaient à ce moment-là. En fait, les guest flows commençaient. Enfin, les guest flows faisaient en sorte que les gens puissent se diriger vers la sortie durant ce. Durant ce gospel festif, rock. Mais tu vois, ouais, ça me fait penser, Goodcar, que nous, on voulait voir le post-show, forcément. Et à la fin du Dreams of Noël, t'as les guest flow qui étaient juste devant nous, parce qu'on était vraiment à l'avant. Et qui disaient, non, bah maintenant, faut y aller, c'est fini. Alors que tu sais que tu as un post-show, tu vois. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils savent bien que leur truc, c'est pas un spectacle, quoi. Enfin, c'est du remplissage, ça fait joli et ça permet de dire, regardez, on a changé des trucs, mais. En fait, surtout, il aurait dû être installé dans le Dreams of Noël. Oui, mais en fait, je pense que toute la séquence de show nocturne doit être revue et que là, il y a beaucoup trop de rafistolage à droite à gauche, de vas-y que je te rajoute un pré-show, un autre pré-show quand c'est Halloween et puis un post-show. Non, arrêtez. Et du coup, tu vois, le spectacle nocturne qui a déjà un petit peu un espèce de post-show, ça marche pas, faut arrêter, faut refaire les spectacles et les reprendre de A à Z, refaire ça proprement, y intégrer. Tu vois, si tu veux intégrer les drones au pré-show de ton spectacle, tu dis pas que c'est forcément que c'est un pré-show. Genre, Anna ou Disney Illuminations, là t'as un truc qui s'écrit dans le ciel, une tête de Mickey ou je ne sais pas quoi, paf, et puis les drones ils s'éteignent, t'as des projections histoire d'occuper, tu mets un peu les fontaines et au bout de 2-3 minutes tu peux balancer de la pyro, tu vois. Ouais. Et tu vois, il faut vraiment tout repenser de A à Z et l'expérience show nocturne doit être vue de fond en comble. Ouais, c'est ça. Après, moi, l'idée des pré-shows, par exemple, le pré-show d'Halloween, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais le fait d'avoir un pré-show Halloween, comme ils ont fait le pré-show des Voix de la Terre à l'époque, ou le pré-show de Mickey pour ses 90 ans, il y a 4 ans, pourquoi pas? C'est des trucs, comme ça, moi, je suis très demandeur. Hein. Ça te permet, c'est bien, mais le problème, c'est que t'as déjà Delight et que du coup, ça devient trop compliqué. Quoi. En fait, est-ce que le virer illumination et puis faire un show nocturne plus un peu plus long pour, c'est que pour vu les 30 comme ans, c'est parti, je me demande si on va pas avoir un delight, une suppression de illumination pour foutre des espèces de pré-show qui suivent et à la fin t'as un post-show et presque il n'y a plus le show principal. Tu vois. Non mais je rigole, mais dans les faits, tu vois. Tu mets une espèce de Disney Delight, puis après tu mets une pause, tu mets des projections, des trucs, tu fais un bouquet final, ouf, après tu mets le post-show. Est-ce qu'au final... Je même pas étonné, franchement, pour en est. Est-ce qu'au final, ils n'arrivaient même pas aussi à laisser Disney Delight et à enlever les drones? Faire en sorte que le 30, en fait, ne soit plus un 30. Non, ça ne marche pas, tu peux pas. Delight sans les drones, c'est pas bon. Enfin, et c'est joli, tu vois, mais ça marche pas. Tu sais, Rêvons et le monde s'illumine, t'enlèves les 30 ans sur les chars et puis t'as un show. Hein. Oui, 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 ça tout à fait, ça j'ai un peu peur, effectivement. De toute façon, on l'a bien vu avec Time to Shine, la référence au 30e, elle est encore plus. Étouffée. Discrète. Ah, et sur Toto ouais. On l'a entendu celui-ci, quand même. Hein. On l'a entendu. Ouais. Valar, putain. Putain, Valar. Oh la vache! Voilà, bon, bah, on est parti des restos pour arriver jusqu'à. Dis-toi, tu veux plus prendre le son de Discord qui efface les bruits bizarres? Ouais, bah.
Ça évitera de péter aussi. Est-ce qu'on passerait pas au final au sujet principal de cette soirée? Peut-être. Tu veux dire qu'on a fini le pré-show? Ouais, on a fini le pré-show pour attaquer le show principal, qui est donc les plagiats de Disney. Donc, on s'est fait la réflexion de chercher différentes attractions qui pouvaient plagier d'une manière ou d'une autre. Moi, quand même plus flagrante que ce qu'on a là. Tu veux que je la mette? Parce que celle-là, je suis pas convaincu. Bah, alors, je me suis dit, on peut regarder, on peut essayer. Mais voilà, bref. Vous voulez la garder pour la fin, non? Ouais. Donc Jungle Cruise, ce sera à la fin. Et donc voilà, on va regarder différentes attractions de parcs qui se sont inspirées d'attractions de Disney, donc des parcs Disney, que ce soit Disneyland Paris, les parcs aux États-Unis, enfin je pense plus les parcs aux États-Unis que même Disneyland Paris. Et puis on va voir un petit peu, je sais pas, on va rigoler quoi, on va de leur gueule. On est surtout là pour rigoler. Hein. Oui. Donc là, le premier, je pense que c'est une inspi It's a Small World. T'es sur Epic Maïs ou t'es sur quoi là? Non. Ah, pardon. Pardon. Ils sont de mon côté, sinon ça va te faire un. Voilà. Donc c'est Piccolo Mondo, donc le petit monde. On commence fort. À Europa Park. Donc je veux dire, déjà, il y a un point où le titre c'est Piccolo Mondo, quoi. C'est le petit monde. Et ce moment-là, tu traduis comment en français? C'est le petit monde? Ah, c'est bizarre. Je peux pas faire un projecteur de sortie de ça. Pourquoi c'est si fort? Ah, moi j'ai baissé le son sur le live. C'est chez moi. Pardon. C'est chez moi. Ok, c'est bon. Ah, voilà, c'est écrit en gros. Ah. T'es pas tellement en France, hein. C'est pas comme Small World. Non, t'es pas tellement sur un Small World là. Je trouve. Ah, quoique. En fait, pour moi, il y a discussion en fait. T'es sur un semi-Small World. Écoute la musique. T'as une musique qui se répète avec des arrangements un peu différents. Là, t'es sur un opéra. On est dans la zone italienne d'Europa Park. Et bien sûr, c'est pour ça que je suis un peu poil à gratter. Hein. L'idée, c'est pas de donner que les plagiats évidents. Il faut qu'on soit là pour un peu troller et un peu réfléchir. Et pour moi, il y a un côté où dans la conception, dans l'esprit de l'attraction, t'as un peu le même sentiment. Tu sens que c'est un truc totalement niais qui est là pour te mettre la banane avec une musique entêtante. La musique paraît harmoniquement être la même. Elle fait la même chose. Non. Il y a vraiment sur l'espèce de mélodie entêtante, voilà. Qui entête pas beaucoup parce qu'on la connaît pas, mais il y a un côté un peu. Ouais, je suis d'accord avec le projet d'Albert, un peu flippant. Hein. C'est ouais. Le problème de Robabark, c'est que leurs animatroniques sont vraiment dégueulasses. Et puis leur Dark Ride, ils veulent en faire. En fait, ils sont trop petits, leur Dark Ride. Dans le sens où on regarde tout les uns sur les autres systématiquement. C'est vrai que ça fait des semaines qu'il manque des scènes. Merde. Oui. Putain, je mélange mes mots. Ça fait des années du coup, hein, plutôt. Ça fait, ouais. J'ai dit des scènes après. Bref. Ouais. des scènes qui paraissent très. Qui manquent de profondeur. Et après, il y a un côté un peu. L'autre point un peu Small World, c'est qu'on est quand même sur l'Italie. Regardez, c'est l'opéra, c'est Venise, et puis c'est des glaces. On a deux doigts des spaghettis, et puis voilà, tu vois. Le Fantasia Gelati. Rip. Ouais. Bon. Encore une qu'est-ce qu'on dit c'est pas... Est-ce qu'on fait un sondage? Est-ce qu'on fait un sondage? Vas-y, tu fasses un sondage. On peut faire un petit sondage. On est quand même sur un petit plagiat. On est sur un plagiat un peu... Ah oui. C'est un plagiat pas assumé. C'est pas le plus évident, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. À la limite, je sais pas si t'as vu des vidéos de Sinbad à Tokyo, mais on est un peu sur la même chose, tu vois. Sinbad dans le monde arabe et puis Piccolo Mondo. Je pense que Sinbad est plus récent que Piccolo Mondo. Bon, en tout cas, on a quand même bien commencé. Hein. On a commencé par Europa Park. Ah bah, c'est un peu normal. C'est la base, j'ai envie de dire. Ce couloir des cœurs, c'est vraiment l'angoisse. Hein. Ouais.
Mais vraiment, j'ai l'impression de revoir un peu le on-rail qu'on avait regardé de leur meneur hanté. Ouais. Bah c'est la même zone, c'est le même... Ouais. C'est presque aussi flippant. Des scènes un peu vraiment petites, grossières, chargées et qui manquent de profondeur. Tout est proche, surtout, en fait. Toutes les unes sur les autres. Toutes les uns sur les autres. Regarde, hop, t'as un petit mur de 3 cm et paf, t'as autre scène qui a rien à voir. Les pizzas, les pizzas, les macaroni. Voilà, enfin, c'est un peu problématique quand même. Il y a Projet DP qui nous dit que c'est presque un plagiat, qu'il faudrait voir la storyline. La storyline, je pense que c'est. Tu prends tous les clichés sur l'Italie et puis t'as la storyline. Je vais regarder si je trouve quelque chose. Je suis pas sûr. Hein. Page Wikipédia, mais en néerlandais. Ah. Tu connais pas le néerlandais ? Comment c'est ça, compliqué. Tu ne parles pas le néerlandais ? J'ai pas de storyline. Je pense qu'il n'y aura pas de storyline, hein, ce Robot Park, sans battre la race. Hein. De toute façon, ils nous inviteront jamais, donc on peut se permettre de dire du mal. Pas ça. Ou si ça même pas que vous existez. Est-ce que tu veux enchaîner, Max ? Est-ce que Vas-y. Non. On continue sur Small World ? Tu veux quoi d'autre ? Le grand classique, mon préféré. Le grand classique, ton préféré. La première fois où quand on est allé ensemble, pas cet été, l'été d'avant, c'est quand même la première chose qu'on m'a demandé. Vous avez dit vous voulez aller où, c'est ce que j'ai réclamé en premier et on l'a pas fait. Et on l'a fait que deux fois et ça m'a rendu triste. On l'a fait que deux fois. Ouais. J'en ai un autre hein, sinon. J'ai un autre Small World hein, qui est plus surprenant. Vas-y. Tu connais pas, je pense, l'attraction. On part où ? Et à ton avis, le pays des... Le pays des rêves ? Ben, c'est Small World, on a le droit de faire des raccourcis, non ? Non, mais bon, on va partir dans un pays qui a eu, dans son passé, on va dire dans son histoire... Salut Pepper. Deux, trois plagiats de Small World. Ah. Voilà, donc direction la Chine. Il y a Nagla qui nous a dit que en ressenti, on l'avait fait 6 fois, la question que je parle. Bon. Voilà. La vache. Bon. Ça, c'est là, la Floride. On est sur un plagiat, un ça, poil plus évident. Ça, c'est la Floride. Hein. Ah putain, Thème Park Review. Oh, ah la vache, elle a grandi la gamine. Pardon. Oui, quand tu suis Thème Park Review, C'est 2011 la vidéo. Ouais. Si vous suivez Thème Park Review. Quand tu suis Thème Park Review, tu sais que la gamine maintenant a la 16 ans. Puis il a l'air d'aller autant à l'école que ses parents vu qu'ils sont tout le temps dans les parcs. Ah. Oh, ça se traîne. La musique, c'est encore en France. C'est la même musique qu'en France. Là ils sont moins fait chier sur la musique. Hein. Ah la vache. J'ai l'impression que la musique est pas tout à fait la même aussi. Sur pas... là, on dirait. C'est pas, comme pas les paroles. Ou alors, les mecs, ils ont dit qu'on va faire un pseudo-arrangement. Bah, on dirait qu'ils ont repris la base. Ils ont bricolé un truc dessus. Là, t'as les paroles. Oui. Ça va un peu plus vite. Ouais, c'est pour les droits. Ils ont eu peur de faire strike. C'est pour pas se strike sur YouTube. Et y'a rien qui bouge. Par contre, c'est un peu l'angoisse, hein. Y'a rien qui bouge. Ah la vache. Oh putain, le Magin Peace. Ben oui. Ah, que tu vois, je suis sûr comme que. Les dans... deux, les enfants. Au Pays-Bas, il fait un français en train de pisser sur le contre un lampadaire. Tu trouves pas que. Ce qui est choquant. Et en fait, là, tu comprends pourquoi It's a Small World a un toit moche en France. C'est quand c'est sombre. En fait, avoir un toit noir... C'est sombre. Ça rend le truc creepy de fou. Alors, s'il y en a certains alors, qui sont déjà, allés... Alors déjà, je pense qu'il y a des problèmes d'éclairage. Oui, si certains sont allés aux États-Unis dans les parcs américains, dites-nous comment c'est, mais je crois qu'en Floride, en Californie, les toits aussi sont noirs. Et ça fait très écrasé. T'as l'impression d'être écrasé. J'essaierai ça au Japon, en avril.
et ta pote. Tu as raison, les toits sont noirs en Floride. Et c'est tout de suite beaucoup plus difficile à habiller, et autant notre toit est moche, autant ça donne vraiment cette ambiance... De fête, d'exposition en fait. Ouais. L'objectif c'est pas de... L'objectif c'est pas de traverser le monde, c'est d'avoir une exposition. Oui, c'est pas une immersion, It's a World. C'est pas une attraction qui t'immerge, elle t'immerge dans une... elle te met dans une ambiance, mais elle t'immerge pas dans des pays ou quoi. Donc là, on a déjà fait 3 minutes de vidéo. Là, on a fait 3 minutes de vidéo, ouais, ça j'accélère bouge un pas. Petit peu parce que c'est le moment. Chaque scène dure environ 5 minutes, hein. Ça avance vraiment pas, hein. Voilà. C'est vraiment la sieste, hein. Donc ne vous plaignez jamais de Small World, hein, qu'on oublie, qu'il nous manque. C'est impressionnant, mais quand ça bouge, en fait, ça... Qu'on va retrouver un Small World comme ça dans 6 ans. 6 ans, je suis optimiste. Celui-ci a-t-il de l'amiante? L'amiante était-il un isolant utilisé en Chine? Ah, attends, je me rends compte d'un truc, c'est que ta caméra est inversée sur le stream. Il faut que je te retourne. Ah ouais? Enfin, je te retourne. La caméra. Pardon? Attends, je vais voir si je peux résoudre le truc. Attends, bouge pas. Dis-moi si c'est mieux là. Ah, t'es à l'envers. Ah, coucou! C'est Spider-Man! Ah, c'est pas là. Ah, monsieur Carpentier. Voilà, c'est bon. Je m'amuse bien. Il y a projet DLP qui me dit qu'il est sûr que l'eau pue. Oui. Je suis sûr que l'eau oui, verte. De fou. Là, ça va être horrible. Là, c'est de l'eau verte avec du chlore. Donc, t'as la moisissure et la javel. Tu sors de là-dedans, t'as... t'as un concert. C'est la même chose qu'au début, en plus. Y'a pas de lumière. Y'a aucune lumière nulle part. C'est incroyable. C'est con, tu vois, parce que des décors comme ça a l'air sympa, mais c'est sombre. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont récupéré... Il y a la Californie, la Floride qui a dit « Bon, les gars, on vend les décors. » Pas les animatroniques non. Et pas les lumières. Ça manque de profondeur au niveau musical. Cet écho... Ouais, c'est un enfer, hein, musicalement. T'as l'impression vraiment que tu vas mourir. Et là, je suis sûr que rien que quand tu passes le minutage, tu passes vraiment 2 minutes par 2 minutes, non? Bah là, on est qu'à 8-9 minutes. Oh la vache. Et t'imagines 10 minutes de ça? On est presque sur la fin. Ouais, on a une scène toute noire. Pourquoi pas? C'est original, mais après, si le reste du ride n'était pas tout noir, ça aiderait. Je pense qu'eux, ils ont pas de problème de bouchon de bateau durant la scène finale. C'est clair. Tu m'étonnes que t'aimes pas que je joue la gamine, elle est pas bien. Ouais, j'ai un t-shirt de Milo. C'est incroyable. Tu peux me voilà. Montrer la meilleure vidéo. Je suis impressionné. De quoi? Je suis impressionné. Pourquoi? C'était incroyable comme version de Small World. Je pense pas que la caméra assombrit plus que ça. Peut-être un petit peu, mais... Ouais, c'est pareil. Dans ça, l'idée, tu ça vois bien... Ans. Tu vois bien que... Ouais, mais après, c'est Theme Park Review, je me matos aussi, tu vois. Et tu vois bien que... la principale source de lumière, souvent, c'est l'espèce de guirlande qui clignote ou quoi. Et ça peut pas suffire, quoi. Le fun est bon, je, pose pas la... je fais pas de sondage, hein. J'ai pas vu ce qu'a donné le résultat du sondage, quoi. Presque. Piccolo Mundo, c'est presque un Small World. Le fun est réellement mort, nous dit Pepper Echo, et je suis d'accord avec lui. Le fun, de toute façon, je pense qu'il n'a même jamais existé. C'est clair. À quel moment c'est tu dis qu'il y a aucun fun. À quel moment tu te dis que c'est faisable? À quel moment t'as un mec dans un bureau qui dit je vais faire Small World? Pareil, mais en pire. Et puis le jour où Disney s'intéressera à notre truc, on va se faire démonter en plus. Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué. Suivant. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Réfléchis pendant que je bois.
Qu'est-ce qu'on a sur Small World encore comme autre plagiat? Bah, il y a celui que tu voulais mettre. Avant, est-ce que Sweet Pop ça, on peut le considérer comme un... Alors, Sweet Pop ça... attends. Je réfléchis. Parce que Sweet Pop ça, oui, qu'une barque... Pour moi, c'est quand même différent. Après, on peut en débattre. Regarder et en débattre. Mais pour moi, c'est quand même différent. Ouais. Mais... Sur le principe, on est sur la même idée. Ils ont juste réussi à renouveler un peu la storyline. Il y a la gars qui dit qu'ils sont sur un budget à 2 millions. Ils veulent faire un carton assuré. Alors que tu vois, avec DLP, 2 millions, et ben, ils font les cartons. Ils font les bureaux. Ils font les cartons des bureaux. Ça, bah ouais, on est super repasse-pieds. Il y a un sujet intéressant avec Plopsaland, Max. Ouais. Donc je te propose de le faire après. D'accord. Parce que j'ai réfléchi à un truc. Et je pense que ça peut être intéressant de le faire après. Est-ce qu'on peut enchaîner du coup avec ton préféré? Oui, on peut enchaîner avec mon préféré. Un moment incroyable de ma vie. Ah. Oh, et le on-ride. Le on-ride de... du parc. Incroyable. C'est incroyable. Et là, tu vois, rien que ça, t'as un peu plus de profondeur par rapport à Europa Park. C'est un peu plus oui, loin. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, c'est mieux. Bon, la direction artistique, c'est non. Ah, ça a 40 ans aussi, hein. Bientôt 50, hein. Ouais, mais même. Il y a 40 ans, on a fait des trucs mieux. Et et au moins, enfin, je trouve que techniquement, c'est pas si dégueulasse. Non. Ça marche. Et les éclairages, ils sont ok. Tout ça, tu vois. Bah, ça, des défauts majeurs, genre comme. C'est ça. Ça a des défauts majeurs, évidemment. Il y en a un gars qui me dit que ce truc le fait comprendre que Small World, c'était bien. Genre. Putain, mais Maxime, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose, hein, c'est pas possible. Hein. C'est éléphant sax ou quoi? Mais en fait, je pense vraiment que ce truc-là. On m'avait pas dit que j'allais faire un stream avec Babar. Ce truc-là, en fait, il faut vraiment le prendre au second degré. Hein. T'as pas le choix. Si tu le prends au premier degré, c'est que t'es con. Et je pense que la plupart des gens. Ah, la Belgique. À part les gosses, tu vois, les gens. La Belgique. Ouais, tu vois, et puis... Non, le défaut majeur pour moi, mais après, c'est pas un truc si pénalisant que ça. Bientôt la France. Parce que si tu compares à d'autres attractions de l'époque, c'est... La France ABA. Le fait que les scènes soient très détachées... Le fait que les scènes soient très détachées des véhicules. Tu vois, tu vois le sol des scènes quand t'es dedans. Là, pas trop sur leur vidéo, mais... Quand t'es dedans, tu vois que t'es sur un rail et tout ça. Ouais. Et pour moi, c'est un peu dommage. C'est vraiment le point positif du bateau qui est quand même bien mieux comme ouais. Le ride system. Et encore, quand c'est bien fait, quand en France, par exemple, je crois que c'est en Californie, en fait, le canal, le sol des décors s'adapte en fonction du canal. Donc en fait, t'as pas d'eau autour du canal. Ouais, ça c'est un peu con. Ouais, donc la France, t'es prostituée. L'Allemagne, la bière. Ben oui. Regardez. Alors que bon. La France, les prostituées. Tu vas aux Pays-Bas, hein. Quand même, quand t'arrives aux Pays-Bas et puis que t'as un camion. un bus anglais avec une femme à poil dessus quand t'arrives, c'est incroyable. Mais oui. Et quand tu traverses la Belgique en plus, hein, si jamais vous traversez la Belgique. Prenez la route depuis Lille, donc Paris, sans passer par Reims, mais en passant plutôt par Lille, pour aller à Efteling. Vous traversez la Belgique et sur votre gauche, à un moment, vous allez voir un type à poil. Genre une statue de type à poil avec la grosse bedaine et tout ce qu'il faut. Et il est à poil. Le sgué galère, tout ça.
C'est une devanture de magasin, je sais plus ce que c'est comme magasin, c'est jamais arrêté. Faudra y penser la prochaine fois. Tu sais ce qui se passe, Max? Quoi? Si on remplace le liquide des geysers de Frontierland? Ça fait de la bière? Ça fait de la geysbière? Ça dépend ce que tu mets. Non, parce qu'en fait, c'est une référence à ce qu'on vient de voir. Ça fait la tour de pisse. Eh oui! Pardon! Attends, moi, c'est la bière! Oh là là, putain les clichés! Oh là là, c'est atroce, cette scène elle est horrible. Mais pourquoi les dents, les lunettes, machin. Et après c'est encore pire avec les appareils photo. Oh l'angoisse. Oh là 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 là. Là c'est vraiment. Et tu comprends pas pourquoi la musique est hyper angoissante d'un coup. Là toute l'ambiance festival elle est partie en cacahuète. Mais tu vois, moi j'avais parlé de la musique. Moi je trouve que la musique est peut-être le truc le mieux réussi dans Traction. Mais cette partie là c'est pas possible. Il y a Sam Therapy qui a dit plagiat un peu cliché. Pire que ça. Hein. Plagiat tout court. Et gros racisme. Cliché. Raciste. Plagiat raciste. Dans tous les sens pour le coup. Et c'est bizarre que Efteling qui soit si évolué, tant en avance par rapport à ces idées là, garde ça. Après, je pense qu'il l'enlève, ça râle. Hein. Le truc c'est que l'attraction marche. Et que... Ça y fait chier. Après, ils ont fait des modifications dessus, hein, sur la partie africaine. Ils ont enlevé les gorilles. Ils ont enlevé les os dans les nez. Oui, on en est là. Et là, les photos, moi, ça me fume. Genre, les mecs se sont dit, on va mettre des photos, normal. Moi, les Japonais, on sait pas trop mélanger les deux. Putain, l'enfer. Et là, tout de suite, c'est un peu mieux, tu vois. Là, d'un coup, on respire. Ah, avec Vulcar qui nous a envoyé photo de un lien avec la photo. Avec la fameuse grosse modèle. Oui, tout à fait. Ah, ça passe pas, ça, sur Twitch. Ah, il est à vendre. Je sais pas, ouais. Dans le doute, oui. Ce serait con, le problème à cause. Et c'est pas là qu'il y a les photos, je crois. Mais l'attraction est incroyable. Les photos sont à la fin, ouais. L'attraction est incroyable. Je dirais pas que je la ferai en boucle, tu vois, mais... Je me suis tapé des bonnes barres quand même dedans. Enfin, après, c'est pareil, il y avait un contexte où j'avais un peu bu. Bah, là, c'est Maxime, quoi. Les prémices, il y avait l'apéro. Maxime et l'apéro. Oui, par Efteling. Quand on va manger des crêpes, prenez une bière, la pinte est à 5 euros. Vous pouvez prendre deux pintes même. De toute façon, Efteling, c'est simple. Hein. Vous voulez prendre un snack, vous arrêtez, vous avez un petit beignet, vous avez des frites, vous avez de la blinde de sauce, c'est bien servi. C'est facile. À Efteling, pour 17 balles, vous avez 4 menus, avec le dessert en plus. Non, quand même pas, mais ouais. Pa 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 pa. Wap wap. Ah, par contre, dans la vidéo, ils ont bien pensé à remettre la musique après, ce qui est ridicule. C'est un montage audio, quoi. Bah, en fait, souvent, quand tu l'as fait, tu sais, t'as ce moment... Cette petite interruption festival, c'est vraiment le truc que tu veux pas voir, parce que autant les scènes sont pas dégueulasses en termes de... Attends, c'est pas là qu'il y a un cul aussi? Non, c'est des... c'est pas un cul. Ah. C'est à l'avant. C'est là. Voilà. Voilà. Okay. Ça, c'est fait. Je sais pas. Quitte à... Bon, la totale, hein, de toute façon... Le racisme, le sexisme, tout ce qu'il faut, hein, ça va bien ensemble. Mais oui, la musique est vraiment géniale de Carmen Festival. Et quitte à dans le cliché, autant en profiter jusqu'au bout. Et comment dire,
Oui, ils ont pas pensé à la fin à refaire une boucle qui repartait. Ils ont préféré mettre la fin de la musique, ce qui est un peu ridicule. Est-ce que vraiment on fait un sondage? Je pense qu'on peut le faire pour la forme. Quand un festival, c'est comme ça. C'est incroyable. N'hésitez pas à voter. Est-ce qu'on part sur Plopsa ou on reste sur Efteling? Qu'est-ce que tu voudrais faire sur Efteling? Je vois la vidéo de Fata Morgana. Est-ce que tu veux enchaîner avec Walibi? Wikwalibi. Ah, tiens, je t'ai envoyé un lien ce matin. Ouais. On fait ça alors? Ouais, donc on peut faire Fata Morgana et puis finir par le plagiat Disney. Enfin, un plagiat un peu retravaillé. Bah là, c'est pas très Disney pour le coup. Ouais. Ah, mais justement, ouais, effectivement, le débat est intéressant. Voilà, je l'ai mis. De toute Première façon, il y fois. a plein de plagiats à critiquer. On aura l'occasion de faire d'autres lives sur ce thème-là, je pense. Première attraction que j'ai faite à Efteling, et on est tombé en panne dans l'attraction. Donc ma première attraction Efteling tout court, je suis tombé en panne. Incroyable. Ce qui n'est pas fréquent. Et au bout de 10 minutes, on est reparti. Ouais, c'est ça. Alors que DLP, on aurait eu 10 minutes d'évacuation. Le côté frustrant, c'est qu'on avait la boucle. Je sais plus si on était dans le même bateau, toi et moi. Oui, avec le mec qui hurlait. Ouais. Ça, c'était énervant. Hey, parlez-vous! Je sais pas ce qu'il dit! Parle en arabe, je pense. Je crois que ça, je présume. Je me souviens, je ne sais plus. Là, vu que l'image est très très sombre et qu'on voit rien, je me dis en fait que cette overlay est quand même pas mal, hein. Le petit logo et l'apéro qui bougent, la bière à côté qui mousse. Mais j'aime bien ce début. Tu y crois un petit peu à cette Ouais. forêt, ça fait une belle transition, je trouve. J'avoue que quand tu rentres dans le bateau et qu'ils ouvrent les portes, moi je me suis dit waouh. Puis là, c'est con, mais le laser sur les portes et tout, tu sens que ça a été un peu mis à jour. Ouais. Et bon, c'est pas rien de fou, mais ça marche. Ça dynamise un peu le truc. On va avoir la seule phrase en français du raid. Donnez-moi de l'argent. Je ne referai pas l'accent, ça se fait pas, mais voilà. Max? Je ne dis rien. Les accents, Tu comprends pas. je trouve ça honteux. Moi. De quoi? Ah, Que ce soit la seule si. phrase en français ou. Je suis désolé. Non, ce qu'il y a une deuxième après. Parce qu'il râle. Mais je suis désolé. Hein. C'est Pirates des Caraïbes, mais dans le monde arabe. T'es en train de dire ça, toi? Ouais. Ouais, tu fais ton Valar un petit peu. Regarde. Alors, ok, j'entends bien que là, ça peut faire penser à la C'est scène. beau. Attends. Ça peut faire penser à la scène de. De Port Royal. Ouais. Mais c'est beau, c'est intéressant et c'est différent quand même. T'as pas tout ce côté plus mystique, magique. Pirates des Caraïbes, t'as un côté malédiction. Voilà, Et on est là, t'as vraiment un côté plus ésotérique. Différent. Mais après, je dis pas, c'est beau. C'est très beau. En fait, le souci de cette attraction, c'est dans les mouvements. Où là, effectivement, tu vois tout de suite que bon, Ça a tu pris t'attardes un peu sur les un peu cher. animatroniques. C'est un peu vieux. Compliqué. C'est là qu'on était coincé. Ouais. Il nous gueulait dessus, là. Pendant 10 minutes. Ah la Tu vois, vache, là, c'est pareil. Tu peux, la première ça fin te du fait penser rail. à quoi? La première fin du rail. Oui, bon. Les années 80. C'est les coups de feu, la femme qui danse, c'est la vente aux enchères. Ouais, vite fait, hein. Ça C'est quand même très repensé, quoi. Très différent. Avez-vous déjà vu un lapin? Il est là. Maintenant, oui. Bonjour.
Mais après, c'est quand même beau. Nagla qui dit plaisir coupable, pas plaisir du tout. De la part d'une personne qui considère quand même que Drone Vert, c'est mauvais. Ouais, tu me dégoûtes. Moi, tu me dégoûtes, Nagla. Ouais. Par contre, j'ai du mal à voir les liens entre les musiques et les scènes. Ah si, parce que c'est le gros mec riche. Bah, et puis tu vois, t'arrives dans... plus portuaire, les richesses, donc tout de suite un peu plus de fast et d'orchestre. Là où au début c'était un peu plus discret. Le tigre, compliqué. J'aime bien l'idée, mais il est compliqué, faudrait vraiment le changer. Il est trop gros. Je pense que c'est voulu pour donner un côté impressionnant, mais il est... Il est trop fake en fait. Ouais. Ah, il y a un petit côté un peu Sega. Je joue à Aladdin sur la Mega Drive. Et tu vois, si on compare Europa Park, là ce que je trouve intéressant dans cette scène, c'est que là ça fourmille. Mais c'est profond. Et puis c'est voulu. Tu vois, c'est la scène où, ok, tu comprends, il y a une espèce de teuf, une espèce de harem, c'est chelou, c'est. Voilà. Mais tu comprends que là ça a du sens qu'il y ait plein de monde. Et là, et maintenant, à Paris. Ah. Les oreilles couilles. Ah, c'est Vincent avec ses gros lobes. C'est vrai. Et cette scène que j'ai eu. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Et c'est cette scène que j'ai eu du mal à comprendre après. Oui, je suis d'accord. Celle qu'on vient de voir là, ouais. La prochaine, moi, je l'aime bien. Je sais pas si on la verra bien dans la vidéo parce que c'est sombre. On voit rien. Peut-être que noir. Ta gueule. Merci. Et tu vois, là, en gros, t'as un espèce de dénivelé dans l'eau parce que du coup, tu remontes. Et du coup, en fait, le plafond se rapproche. T'es censé remonter vu que c'est un système de traction. Oui, mais c'est pas grave. Et du coup, t'as cette impression. En fait, je pense que le toit est penché. Et que du coup, ça donne cette impression que la pièce se remplit. Et qu'elle tourne aussi, je crois. Non ? Je suis pas sûr du tout qu'elle tourne. C'est Villa Volta, ça. Hein. Tu mélanges tout. T'as vraiment trop picolé quand t'es avec lui. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé Maxime Moritz. Bon, j'ai pas compris pourquoi il y avait des mineurs, mais. Des fantômes. Et voilà. Et la gare, cette gare est vide. Dans Piranha. Ouais, c'est la même gare que Piranha et c'est vide. Ça, c'est décevant. Elle est pas moche en soi, mais elle marche pas trop dans le thème, quoi. Bon. Et après, ils ont vraiment bien un on-ride de leur bateau pirate. Et Qu'est-ce que tu veux enchaîner sur autre chose ? Est-ce que le public a des remarques ? Est-ce que on va faire un petit sondage ? Ouais, est-ce que oui ou non, Plage de Pirates des Caraïbes ? J'ai pas vu le résultat du précédent, est-ce que tu as vu de ton côté ? Non, je ne l'ai pas vu. Merde, je sais pas. Je vais essayer de voir si je peux le récupérer. Tu as valeur déjà fait un Google Sheets pour classer les... Mais c'est compliqué de à la fois suivre l'on-raid et de checker le sondage. Fata Morgana, plagie, POTC ? Oui. Non. Presque. Vous avez 2 minutes pour vous décider. N'hésitez pas. Mon avis perso, c'est que c'est pas un plagiat. Que oui, on sent clairement qu'il y a une volonté de vouloir faire un pirate. Ouais. Mais ils se sont posé la question. Il y a eu un vrai travail artistique derrière. Il y a une nouvelle storyline. T'as cet élément clé, on va dire, avec la fée Morgane et l'espèce de magicien qui t'ouvre les portes sur plusieurs époques, plusieurs histoires, un petit peu des mille et une nuits. Et c'est différent de Pirates qui veut raconter une histoire de bout en bout et qui a moins ce côté patchwork. Je suis en train juste de télécharger le... copier le lien. Le on-ride de Walibi. Tu l'as ? Hop, je suis en train de faire en sorte que ça arrive très vite sur le live. Je t'ai juste à alimenter un tout petit peu. Je me mets en mode studio. Il est pas sur YouTube ? Non. Non, je l'ai trouvé sur... je l'ai trouvé sur... Ok. J'ai trouvé sur Twitter, pardon. Enfin,
C'est Léa Chung qui est présente sur le Discord et qui l'a partagé sur Twitter. Désolé, projet DLP, on va regarder, mais c'est juste pas toujours évident. Disons que si Max servait à quelque chose, il pourrait voir, mais... Ouais, mais ce serait... De toute façon, je peux même pas tu vois, la voter pour le nouveau sondage. N'hésitez pas à voter, je vais essayer de récupérer les sondages. Et bonne soirée, Pepperco. Ouais. Gérer les sondages. Voir les résultats. Je sais pas si je peux parce qu'il y en a un en cours. Donc là c'est non, non à 80%, 83%. Donc non. Donc non Maxime. Le public a voté. Je fabule. Je fabula. Fabula Morgana. Fabula Morgana. Alors, comment on fait pour voir les sondages précédents? On peut ou pas? Ah bah si, attends, j'ai un lien YouTube, je peux te l'envoyer? Bah oui, bien sûr. Tu peux le mettre directement ou tu peux me l'envoyer. Je peux te l'envoyer, je pense. On va éviter de faire laguer le live. Et hop, c'est envoyé sur Discord. Ah, mais... Pas là où je l'attendais. Ah. Hop. C'est bon, t'inquiète. T'inquiète, deux secondes. Voilà. Hop. Ah, merde. Hop. Oh, t'es beau. Beu, voilà. Lapin, t'es un beau lapin. Donc, je découvre Sunrise avec vous. C'est le palais d'Ali Baba. Dont je vous ai parlé dans le podcast sur Walibi Belgium. Bon, déjà, dès l'extérieur, on voit que on est un peu sur le même délire avec un minaret, coupole. C'est à Walibi Belgium, c'est une attraction qui a fermé en 2003, qui a ouvert en, bah, je crois, 85. En tout cas, dans ces eaux-là. J'ai eu qu'un an ou deux d'écart sur Fata Morgana, je dirais pas si c'est avant ou après. Je vous laisserai deviner. Si vous avez écouté le bon podcast, vous saurez nous répondre. Ah ouais, tout à fait. Un podcast 100% Belgifriendly. La file d'avant, très sympa. J'aime bien le petit, la petite fontaine là qui nous rappelle un peu le bazar d'Adventureland. Et puis le patio de Raja River aussi. C'est vrai. Il est beau mon lapin. Bah oui, t'es beau. La musique, on se croirait dans la série animée Tintin. Je sais pas si c'est voulu. Tu sais, parce que tu connais le contexte aussi du parc à l'époque. Oui, bah peut-être, oui, excuse-moi. Oula, le monsieur, il est un peu... peu commode. Ouais, mais il est convaincant pour l'époque, hein. Ah. Et puis pour Walibi, qui avait peut-être pas le budget. Ouf. Voilà, clairement, on n'est pas sur un plagiat... Ah, on n'est pas sur un plagiat DLP. Par contre, on est sur un bon plagiat de... Palapapa. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Ah, là on est sur la scène du maire dans le puits. Pour rappel, fumer c'est pas bien. Non. Oula. Oula. Oh là là. Le bas de la chaîne. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. C'est compliqué. Oh, joli moment. C'est compliqué. Matrix, je connais. Ça, c'est Max quand il fait du sax. Hein. C'est... Je pense qu'il est la même explosion. Ah. Ça, c'est Max quand il boit une bière. T'as les joues qui bougent. Ah, c'est marrant. Elle se gonfle et se dégonfle. Alors, si c'était pas aussi gros... Oula.
Un autre félin. Ah. Ah, ça saute, hein. Prends bobine. J'ai fait l'éléphant, hein, pour le côté indien. Merci. Ouais. Ah, mais je suis en train de penser. Après, il faut mettre le gros plagiat de Pirates des Caraïbes. Lequel ? L'allemand. Ah, je pensais au belge, moi. Le belge ? Lequel, le belge ? Ah, oui, bah les deux. Ah, les deux, ouais, les deux. Parce que dans l'allemand, moi, ça me fait penser un petit peu aussi aux différents costumes de cette réaction-là, parce qu'il y a Roland Mack qui est habillé en... Là, ça rappelle un petit peu quand même la forteresse. Rappelle un peu Efteling, hein. Ouais. Non ? Ouais. La musique, on dirait Thalassa, hein. C'est un peu longué, hein. Oui. Bah, il y a des idées après, hein. C'est un peu plus fantastique. Ça avait l'air sympathique quand même, tu vois. Vieux, hein, mais sympathique. Et bonsoir. Bonne soirée pour vos projets DLP. Salut à toi. Et à la vôtre. Et on rechange de musique. J'ai vraiment aussi l'impression d'entendre les musiques des vieux dessins animés. Oui, direct. Ça m'a fait penser à Tintin. Ça direct ou vidéo. Je te dis, le générique de Thalassa, ça te parle ou pas? Quand tes parents t'ont acheté la cassette de Peter Pan, mais c'était pas Peter Pan, c'était Peter Pan. C'était. Mon ouais. Vision. Oula. Oula. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Regardez, mes poses. Attends. C'est toi ? Attention. Bougez pas. Attends, je me permets de remettre. Dites-moi. Dites-moi. Faut que tu remettes là. Ah ! Est-ce que attends. Non ? Attends, il faut juste que je vire la... Le... Attends, excuse-moi, je vais pour deux petites secondes. Merci Max. Vas-y. Alors une tendinite. Nickel. Ouais, c'est la même chose, hein. C'est proche quand même, hein. Y a un truc, hein. Parce que on est sur la même chose. Le mec par terre qui picole. Il s'en va. Les lumières s'allument. Il monte les cochons. C'est très bien. Hein. Le bandeau de YouTube a été enlevé. Maxime. Pour une fois que tu racontes pas de bobard, tu fais babard. Putain, j'en peux plus. J'ai mal au crâne en plus avec ça. Ah, le pirate qui se balance. Il se balance, lui. Il se balance, mais on comprend pas trop. Hein. Là, tu sens vraiment que les mecs à Walibi, ils ont dit, alors attends, tu le mets ici, lui, tu le mets à côté, quand tu balances, il se touche pas. Mais pour l'époque, il y a un truc, hein. Ah, c'est pas horrible, hein, franchement. Techniquement, tout ça, ça a l'air plutôt honnête, hein. Est-ce qu'ils partent en même temps pour, parce que c'est lourd, ou est-ce qu'ils se battent pour l'avoir? Je sais pas, le mouvement est pas clair. Il y a beaucoup d'animatroniques, les mouvements sont moins bien Ça me fait penser un peu à Pirate... à Los Piratas. Il fait quoi au bateau, lui? Je sais pas, il est en train de se... Je sais pas. Ouais, j'ai une idée, mais je suis pas sûr.
On a déjà risqué trop de choses avec la madame qui faisait du Matrix. Il est pas tout film, du coup de car, oui. Pourquoi il y a un dragon? Il a la langue... Lui, il est bavard. Il a la langue bien pendue. Mais oui, tout j'aime, à fait. J'aime l'humour. Ce dragon. Ah. Alors là, au vu des bateaux qui sont devant, je pense que c'est la scène d'embarquement. Je suis pas sûr, il reste encore du temps. Pourquoi il y a un bateau devant? Il se bat avec l'échelle. Pourquoi il a sa tête dans l'échelle? Bah, bonne question. Ah, c'est Milou? Peut-être un clin d'œil à Milou. Quoi. Alors, je suis pas sûr de ce que... Ouais. Ok. Flippant. Ah, mais oui, mais ça me rappelle quelque chose aussi. Je voudrais pas dire oui. Quoi, mais... Yo ho ho, un arrêt bien drive for me. Oui. Allez, c'est reparti sur Thalassa. Ah bah oui, ça je connais aussi. Ah bah dis donc. Bah oui, mais plus jeune toi carrément. Après, les décors sont propres. Ouais, c'est simple, mais ça marche. J'ai l'impression que c'est ma vidéo qui bug en... Mais non, en fait, c'est les cassettes. C'est une variation des cassettes. Ah oui, là, c'est la cassette, ouais. C'est vrai que ça fait vraiment cher. Après, ça a ouvert combien de temps, Curia, cette réaction-là? Entre 85 et 2003. Là, c'est une vidéo de 85, hein, ce qui explique aussi certaines choses. La vidéo est plus vieille que nous tous. Il y avait une Super 8 à l'époque, le gars, avec le petit manche comme ça. Si tu imagines le gars faire comme ça. Bah oui. S'il fait je pense que c'est ce qu'il fait. Il fait des zooms sur tout. Mais je pense que c'est un truc officiel ou quoi, parce que je serais étonné quand même que le ride dure sur longtemps et il a le temps de prendre toutes les boucles des années après. Bon, c'est un peu longué. J'accélère un petit peu. Autre chose, hein. Ouais. Ah, un mec qui vole, un musicien, un singe. Un mec qui dort. Encore fonctionnaire, ça. Ah, bah oui. Okay. Ah, bah dis donc, bon on va chasser les poules. C'est... Après, pour le coup, c'est rigolo comme référence. Bah oui. C'est plus... Quoi, après les poules, c'est marrant. C'est moins problématique. Il y a eu d'autres trucs problématiques avant, mais ça, c'est moins problématique. Ah bah dis donc, attends. Pour le mic ? Bah sans une grande tête ? C'est un zoom ? Je ne vois rien. Wesh, on voit rien du tout, oui. Voilà, donc est-ce que c'est un plagiat de Fata Morgana ? Est-ce que c'est un plagiat de Pirate ? Est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est rien ? Que tu nous refais l'histoire. Je vais juste faire le sondage, comme ça je ferai l'histoire après. Donc Alibaba à Walibi. J'ai lancé le sondage, donc à vous de nous dire si cette attraction est un plagiat de Pirate, de Fata Morgana, ou des deux, ou de rien. Je sais pas, c'est... Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'attraction a ouvert, c'était un an avant Fata Morgana, mais les gens de chez Efteling ont gueulé en disant que des scènes réalisées pour Fata Morgana, en tout cas des illustrations, des concept art qui avaient été faits pour Fata Morgana, ont été reproduits ici, pour Alibaba. Donc pas forcément de l'attraction en elle-même. Donc c'est pour ça que je voulais voir la fin pour regarder si vraiment on reconnaissait des scènes précises. À titre personnel, j'ai vu quand même des ressemblances avec Fata Morgana, mais j'ai pas vu de scènes précises. Maintenant, tu vois quand même que ce serait pas étonnant que il y a un type qui a bossé sur Fata Morgana qui dit
Ça marche bien, on va faire la même chose. Oula. Non, je voulais te regarder parce qu'on n'est pas à la même hauteur, mais en fait, ça fait tourner la caméra. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire Villa Volta? Non, c'est pas ça la musique. C'est quand je vais faire la connerie que ça marche plus. J'en ai marre. C'est quoi la musique de Fatama? Donc non, les deux plagiat Pirates des Caraïbes, le belge et l'autre l'allemand. Non, mais est-ce que Alibaba là tout de suite. Donc c'est les deux, ça plagie les deux, voilà, c'est le peuple a tranché. Ouais. Déjà, je pense que de base Fata Morgana ne plagie pas Pirates des Caraïbes, mais reprend que s'inspire quand même beaucoup du système. Ça s'inspire du style. La première fois que j'ai fait Fata Morgana, je m'attendais à avoir une chute. Bon, j'avais compris aussi que je n'aurais pas parce qu'il y avait le système de plateforme tournante, mais je m'attendais quand même à une chute, au moins un truc qui a un peu de sensation dedans. Là, on n'a pas eu du tout, et puis dans le deuxième non plus. C'est vrai. C'est un plagiat de plagiat. C'est un plagiat de plagiat. Ouah, c'est pas vraiment un plagiat, Fata Morgana. C'est une inspiration et c'est ça, une tout de suite, sur on touche chose. À Efteling. Oui, monsieur. Défends, hein. Alors, par contre, on peut toucher à DLP. En vrai, je te promets que j'ai peut-être une accusation pour Efteling plus tard. Ah. Mais tu veux d'abord parler des autres Pirates des Caraïbes. Faut trouver une vidéo qui marche. Je vais chercher. Las Piratas. On va regarder. On va peut-être aller un poil plus vite. Oui, parce que là c'est un peu long. Hein. Ouais, là c'était long. Hein. Bon, cette vidéo a l'air de qualité acceptable. Hop, c'est parti. Alors, j'ai fait ce. Donc Las Piratas à Belluard. Donc qui a tourné de 91 à 2012. Qui est une attraction que j'ai beaucoup raidé étant jeune et que j'avoue j'ai quand même fini par oublier pas mal. Mais quand j'étais jeune, il y avait un petit peu ce côté. Ah oui! J'aime beaucoup l'attraction des pirates. Ça ressemble beaucoup à celle de Disney. Et après, quand on sort, tu fais ah non, c'était pas celle-là qui était vraiment bien. Alors moi, la première fois que je suis allé à Belluard, j'ai dans le bus dans lequel je suis en sortie, et donc il y avait le bus avec des collègues de ma mère. Et ils ont tous eu cette réflexion de ah oui, les pirates, ça ressemblait quand même beaucoup à Disney, hein, c'était cool. C'est ça qui est marrant. C'est que face à un public de non-park fans, tu compares. Je sais pas si ça sera encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, les gens, ça les choquait pas plus que ça en termes de qualité. Tu te disais pas c'est comme Disney en moins bien, tu disais c'est bien. Tu cherchais pas forcément la comparaison à Disney dans le sens où. Petite chute, ça va être tout noir. C'est une petite chute qui fait du bruit. La musique, est-ce qu'il y a pas un truc? Ah, pas trop. Non? Pas trop, je trouve. Voilà. Ah, Pierre des Caraïbes. Là, on reconnaît hein, le pont. Après, c'est que c'est un an avant l'ouverture de la version française. Oui. Bon, après, ils sont pas arrêtés à la France. Hein. Les Belges, ils s'arrêtent pas à la France. Hein. Faut arrêter de croire hein, que toujours les Français là, c'est le centre du monde. Une pensée pour Tony hein, qui était déjà à Disney World. Oui. Bravo à Tony. Donc, outre le pont, on a quand même la scène derrière de la poursuite. Ouais. On a un semblant d'incendie qu'on sait pas trop d'où il vient. Ah, dans la musique, il y a plus un côté médiéval que pirate. Ouais, c'est un peu bizarre. L'impression est pas mal, mais. On va nous rentrer de. Comment on appelle ça? De Niglo? Niglo. Bon, en 2012, on n'était pas foutu d'avoir des vidéos correctes, apparemment.
C'était pas stable. Ou alors il est picolé avant. Ouais, c'est ça. Je suis... Ils ont fait un label et un bar. Je suis allé au bar et mais... la bière a coûté 4 euros. Je me dis quand même une petite jupilère avant d'aller faire les pirates. Ah bon, on voit les gens là, ils sont allongés au sol, ça rappelle un peu deux trois choses. Hein. Ouais, c'est une, un truc. Parce que c'est, mais c'est cool. Après, ah, tu vois. Ça, c'est faites moi regarder ça. Oui, je reconnais. Peut-être même plus Alibaba que Fata Morgana, ouais. Tu vois. Mais ça, c'est les cousins. Bah, c'est chaud. Bah, c'est la même famille, hein. Belgique, Bellward, ils ont été dans le même groupe un temps. Ouais, mais ils étaient à Noël. C'est à Noël, ils ont passé Noël ensemble, ils ont fait. Bah, tu fais quoi? Je vais faire Alibaba. Tu veux faire quoi? Bah, je vais faire les pirates. Mais. En plus, l'idée. T'as dit Noël ensemble, Max. Ouais. Noël. Ensemble. Passer Noël ensemble. Voilà. Bravo. Voilà, voilà. Encore un coup avec des échelles. Ils ont un truc avec ça. Hein. Un truc avec ça, les Belges. Hein. J'en ai pas. Une échelle. Si vous avez un ami belge, parce que moi j'en ai plus, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont kiff sur les échelles. En vrai, la musique en boucle, c'est lourd. Ouais, j'en ai marre. Mine de rien, en termes de durée, c'est assez généreux, mais par contre, on voit rien. Oh bah dis donc! Ouais, là, c'est. Référence à Pierre des Caraïbes et Phantom Manor. L'angoisse. C'est atroce. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a besoin de faire un sondage? Je ne sais pas. Non. Je suis pas sûr. Non, pas besoin, je pense. Non, hein. Donc tu veux Batavia maintenant, j'imagine. Bah oui. Lequel? Allez, nouveau. Allez, le nouveau. Ouais. Ah, excuse-moi, j'ai un appel. Mais tu réponds merde, hein. C'est bon, hein. On est en live, hein. On fait des créations. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça bien? Ah ben voilà, il y en a un officiel, incroyable. Merci Europa Park de nous fournir des vidéos officielles. T'es là, Max? Oh, super. Cet animatronique voilà, est très beau. Ah, t'es de retour, ça y est, ouais, oui, c'est bon. Avec un son beaucoup plus fort qu'avant. Mais donc... Ah, en fait, j'ai peut-être pas allumé mon micro jusqu'au bout, alors, le potard. Je sais pas. Je te déteste. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai raconté? L'animatronique est incroyable. Hein. Ouais, donc là, on est sur une attraction qui a brûlé et qui a été refaite en 2 ans, derrière. Bon, après, certaines mauvaises langues diraient qu'ils avaient peut-être déjà les projets quand elle a brûlé. Ce sont des mauvaises langues et je ne me permettrai pas d'accuser la famille Mac de telle fraude à l'assurance. Voilà, donc plagiat du Hollandais volant ou pas? La petite lumière à l'avant. Ah bah oui, super splash aussi. La scène dans le noir, la brume. Plagiat ou manque d'inspiration? Tac, la lumière s'éteint. Et ça fait. Bim bam boum, et ça fait tchik et ça fait boum. Switch, bim bam plouf. Avec la scène qui s'allume derrière, l'effet est plutôt c'est cool. C'est beau, c'est beau. Hein. L'effet est beau. Ce qui est dommage, c'est que c'est une scène qui a l'air d'avoir pas mal de détails et t'as pas trop le temps d'en profiter. Tu passes vite devant.
Vous avez pas mal d'odeurs dans cette attraction, des odeurs un peu... De croûte, ouais, je regretterai. Un peu artificielle. Parlant d'odeur artificielle, ouais. Je vais moi-même en mettre chez moi. Tu vas allumer la bougie de Roomgirl. C'est pas une bougie. C'est un... C'est prêt. Un petit... Roomgirl. On m'a offert. Ah, incroyable. Ah, incroyable. Dans du javel comme un, comme un pirate, tu vois. Non, ça sent plus des odeurs, d'épices ou de menthe, ou des trucs comme ça, tu vois, un peu plus, ça fait voyager un peu plus, ouais. J'ai vraiment que pris une odeur de pisse, hein. Je sais raconte. Une odeur de pisse. Ouais, ça sent la pisse. De toute façon, encore une fois, hein, je pense que s'il y a des parcs qui nous inviteront peut-être un jour, mais pas Europa Park, donc on peut y aller. Sébastien Ganzer, si tu es là, je t'apprécie. Peut-être qu'un jour, on viendra à Europa Park et on trouvera des trucs cool, hein, mais... Si, le Sébastien... Ça, il faut nous inviter, peut-être que si on est invité, peut-être que si c'est gratuit, on trouvera ça mieux, hein. C'est comme la bouffe à DLP, hein. À partir du moment où ça devient une saisir, ça n'a plus rien à dire, hein. C'est bon, hein. On n'est pas corruptible. On aime juste bien la corruption. Oui, tout à fait. On aime bien les gens qui essaient de nous corrompre. Voilà, donc là, est-ce que... Ah, le point plagiat. Les bateaux. Alors, l'originalité voudrait qu'il y a deux bateaux qui sont plus ou moins en guerre, mais je trouve que c'est une scène très mal branlée. Parce que, en fait, ils sont plus ou moins en guerre, sauf qu'ils nous regardent tous. Ils sont d'accord de nous. Mais c'est hyper statique. Et l'échelle est petite, et on retrouve ce problème de tout un peu les uns sur les autres. C'est dommage, parce que t'as plein d'éléments. Mais c'est pas vraiment mis en valeur. Un peu comme toi, à Europa Park, hein. Ouais, mais tu vois, c'est mieux qu'avant, parce que tu vois qu'il y a quand même eu des différences, c'est plus les mêmes équipes, c'est quand même des gens différents, mais ça reste un peu... J'ai mis trop de drumburt, là, je suis... Elle a quel goût, ta bière? Le goût de fée. Le goût d'elfe. Bon, il y a une tête de mort, du coup, on peut dire que... Donc ça, c'est marrant, c'est des animatroniques qui ont été récupérés de l'ancienne attraction. Ah, ils ne l'ont pas brûlé, eux? Ouais. C'est bizarre. C'est tombé bien, il y en avait pile pour en faire un bateau. Ouais. C'est quand même le feu, cette attraction. Tombe bien, hein. Ah ouais. Et donc là, t'arrives sur la partie un peu plus... Tortuga, oserais-je dire. Bon. Je comprends pas pourquoi mettre une prison là, je trouve que ça a pas trop de sens. C'est histoire de recaser le héros quoi, mais... C'est dommage parce que t'es dans une ville, donc tu préférerais voir une animation... T'as déjà vu toi une prison avec à côté... un épicier ouais. Bah ouais, c'est ça. Le Roland Mac, très discret. Très discret. À votre avis, ici, il y a un personnage... qui est une copie de la famille Mac. Lequel c'est? Faites gaffe, il est caché dans l'ombre. La cruche. Incroyable, hein. Il a été refait à l'image. C'est choquant. Un peu comme la légende de Hyper Retré, qui est un animatronique de Walt Disney, qui retrouve à Walt Disney en Californie. Mais la différence, c'est que là, c'est... Enfin, je trouve ça ouf, je trouve ça... En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il nous avait fait croire qu'il n'était pas au courant. C'est quand même mégalo. Mais lui, il est pas au courant, c'est ses enfants qui l'ont fait. Ouais. Alors là, les épées un peu trop proches. La scène des duelistes à Pierre des Caraïbes ne me plaît pas, mais celle-ci me plaît pas non plus. soit il se touche, quoi. C'est ça. Là, on dirait pas qu'ils sont en train de se battre, on dirait plus qu'ils sont en train de faire la bagarre. Ici, un point cascade, donc deux points bonus. On a la scène du Toulodrome. Ah, ouais. Ça c'est Fata Morgana, ça. Un petit peu. C'est une scène que je n'aime pas trop. Beaucoup de gens l'aiment. Moi, j'aime pas. Je crois que c'est celle-là. Ouais, donc l'espèce de trésor. En gros, tu vas en Indonésie chercher un trésor. Et... Instant Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, à Paris.
C'est con parce qu'ils ont, ils ont pas filmé le truc le plus intéressant de la scène. Oui. Mais tu vois, moi j'aime pas le fait que la scène un peu waouh soit de la projection. Ouais. Parce qu'un jour ou l'autre ça va être démolé. Ah, je trouve que déjà là ça fait un peu tape à l'œil, tu vois. En fait, je vois la techno plus que je vois le. Je vois pas un trésor, je vois une projection. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, tu es au Bamboo Bay. Donc ça, c'est un concept à eux qu'ils avaient déjà fait. Donc c'est le resto du coin où tu peux. Je vais de paf. Salut Margot. Salut Margot, on dit. Salut, on dit. Il n'est plus dedans. C'était quoi? C'était Fruit Dragon. Je crois qu'ils auraient fait une taf. Et piffé, puff. Donc là, sur la gauche, on pouvait manger. Sur la droite, à une époque, il y avait des spectacles. Je ne sais pas s'ils y sont encore ou s'ils sont retournés. Dehors, il fait un froid de gueux. C'est vrai? Il fait un froid de gueux? Ouais. Mais non. Merci à Sébastien Follin qui nous a rejoint. Merci Sébastien Follin, on dit. Il est dans le bureau avec moi. Ouais, bah, l'attraction est quand même belle, mais il y a un petit côté... Ah, c'est joli, hein. On voit là, on n'est plus sur les mêmes merdes qu'au précédent. Et mais... Bamboo Bay, c'est très beau. En fait, pas trop cher. Le problème, c'est que il y a ce côté plagiat qui est plus qu'assumé, quoi. Alors, assumé, je sais pas, mais visible, qui est trop visible. Donc on est sur un truc beau, mais sur un truc bien plagié. Je sais pas de quoi tu fais, mais... J'ai fait un sondage, excuse-moi. Ah, en fait, il faut qu'on converse dans le live. Ce que Valar, bah oui, c'est bien faire. Excuse-moi, il faut du punch, il faut faire le sondage. Voilà, ouais, les gens, interactivité, vous pouvez cliquer et choisir. Est-ce que Piraten and Batavia, version 2020-2021, je sais plus l'année parce que je m'en bats la race, c'est un plagiat de Pirates des Caraïbes, oui, ou pas? Dites-le-moi. Et n'écoutez pas Maxime, qui est trop occupé à converser avec sa moitié. J'ai oublié ses vêtements dans ma voiture. Super. Et le bidon d'eau. Donc ouais, moi j'aime bien la fin où t'as le resto, je trouve que c'est original, ça a jamais été fait avant. Ouais, des restos dans l'attraction, je trouve ça cool. Ouais, je trouve ça cool, vraiment, surtout sur un thème un peu pirate, tu vois, ça me dit rien du tout. Où est-ce que j'ai vu ça? Une fois je suis mangé au Captain Jack à Disney. Ah ouais? Il y avait des bateaux qui tournaient autour ou pas? Bah, après, je t'avoue que là où c'est original dans Pirates des Caraïbes, dans Pirates in Batavia, c'est que c'est à la fin. Oui, tout à fait. Et C'est ça la touche allemande, tu vois. Puis surtout, tu n'es pas à Paris. Donc en fait, tu as moins de chances que toutes les lumières s'allument parce qu'on te dit « Ah, il y a une panne !» Tu manges du papier? Non, c'est je me mouche. Ah, donc, oui, il passe son temps à se moucher, Margot, casse-lui la gueule. On a fait ça, pirate. Je pense qu'au niveau pirate, là pour l'instant, on a déjà fait un petit tour. On est un peu blindé. Maintenant, est-ce que. Moi, j'ai un truc. J'ai envie de te montrer la forêt de Plop. Ouais. Et quelque chose d'autre derrière. De Disney? Parce qu'à la base, on parlait quand même sur les plages de Disney. Hein. C'est vrai qu'on avait un plage de Disney. On peut retourner sur du Disney. Qu'est-ce qu'il y aurait en revenant sur du Disney Les Haunted Mansion ou les Jungle Cruise? Ou alors, on se garde dans le deuxième live ou est-ce qu'on parlera d'Haunted Mansion? On fera, je pense qu'on aura l'occasion de faire un deuxième live, il veut pas ouais. dire. Ouais, okay. Vas-y, amuse-toi avec ça. Le chat a une envie, est-ce que le chat a un truc qu'il veut peut-être? Parce que tu vois, il y a plusieurs trucs qui sont discutables. Genre, Efteling peut être accusé de plagiat à plusieurs reprises. Ah, je vois de quoi tu veux parler. Je suis pas sûr. De ta... Parce que moi, j'en vois deux. De ta senteur, est-ce que tu vas parler de ta senteur avec Plopsa? Peut-être. Rien pour voir un on-ride de ta senteur. Ouais, c'est vrai qu'un on-ride de ma senteur, ça donne envie tout de suite. Hein. Bah, ma plus belle surprise de Efteling. De quoi? C'était ma plus belle surprise à Efteling. Autant j'avais entendu parler de Baron, c'était vachement cool. Le Landais volant, c'était incroyable. Mais alors, j'en ai parlé quand même d'Efteling, de Drombluurt. J'en ai parlé. Ouais, mais j'étais pas autant hypé que sur un Landais volant. Eh oui, parce que tu écoutes la vie de Nagla, et à côté de la vie de Nagla, c'est toujours une mauvaise idée. J'ai toujours expliqué, mille fois. Mais il y a un président et puis un trésorier. Hein.
Bah oui, mais justement, qui est-ce qui pèse? Ah oui, ça. Et qu'est-ce qui a le pèse? Ouais, c'est vrai. Qui... Non, face de pèse, Nagla. Et Max? Oui. Qui est-ce qui a le pèse? Qu'est-ce qui pèse? Oh putain, bro. Oh la vache. Mais oui. Les blagues. Différents cette, effets. Cette file d'attente est glauque. Hein. Tu te rends compte, les gens là, qui attendent dans la file d'attente à partir de là déjà? Ouais. Bah, on l'a fait, donc oui. Non, non, on l'a fait un peu plus tard, nous. Ouais, un petit peu plus tard. Pas bien plus tard, mais un petit peu plus tard. Et les écrans. Oh là là. C'est un peu l'angoisse. Hein. Là, C'est vraiment le gros faible des files d'attente du blob, ça. C'est les écrans avec les séries télé. Et là, je l'entends dans ma tête. C'est moi le lutin plop, je joue tous mes amis. Et on est quel jour quand même? On est le lundi. Ouais. Et moi, pour préparer le live, afin qu'on ait un fond correct, j'ai balayé chez moi. Ouais. Le mardi, tu balayes chez toi. Et je me suis nettoyé. Puis, le mercredi, tu te plonges dans un bouquin. Tout à fait. Et puis tous tes amis. Et me serrer la main. La semaine et 7 jours qui s'enchaînent. Mais j'ai fini ma tarte au gland hier. Ah. Alors que je l'ai cuisinée samedi, tu vois. J'ai pas pu la garder plus longtemps. Alors que tu vois, moi, hier dimanche, bah, j'en fous pas une. Hein. Ah ouais, vraiment, ouais, hier, j'en ai pas foutu une. Un peu la même, tu vois. Je voulais faire à manger, j'avais faim. Je me suis dit, paf, allez, je nique la tarte au gland et tant pis, je reste dans la lune. Ouais. Ah putain. Donc voilà, donc la forêt des Plops, une très vieille attraction qu'on va regarder un peu plus vite que ce qu'elle paraît en vrai, parce que... Une trop lente attraction. C'est joli, mais c'est un peu longuet. Il y a vraiment le bail... Il y a vraiment le bail où c'est beau, hein. Ça marche bien. C'est bon. Mais c'est vrai, c'est lent. C'est trop lent. Ah... Rebonsoir, Asturian. Bienvenue. Tu vois, t'arrives au bon moment, Asturian. Asturian, tu vois, on arrive sur tes attractions préférées. Asturian, représentante de Plopsaland, on le rappelle. Possédante d'actions, en tout cas de passe annuel, c'est à peu près pareil. En tout cas, chez Disney, chez Disney, ça coûte moins cher d'avoir des actions que des passes annuels, hein, je vous le rappelle. En fait, tu vois, elle est revenue à Sorcy précisément, parce que ça parle de Plopsaland. Ah, mais elle est trop forte. Et là, après, elle va appeler Monsieur Plopsa. Et puis elle va dire... Regardez, ils ont dit du mal. C'est bon, j'ai fait la pub. Non, c'est bon, on vient pas dire du mal de Plopsa. Ouais. Au contraire, on vient un peu titiller un grand maître. Roland Mac. Presque. Ah oui. C'est joli quand même. Hein. J'aime bien les ambiances lumineuses. Ça a son âge. C'est une très vieille attraction. Hein. Ça, à la base, c'était même pas thématisé sur ça. C'était thématisé sur... Les lapins. Maya l'abeille. Maya l'abeille. C'est sûr? C'est pas les lapins? Pas du tout les lapins. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout les lapins. Les lapins, c'est gentil. Mais oui, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, lutin plop avec tous mes amis. Donc avant, ça s'appelait Apirama. Voilà. Alors, il y avait un goût qui passe. C'est un voyage dans la vie et le travail des abeilles. C'est devenu. Lutin plop. Tout doucement, ouais, bah quand le truc a changé, effectivement. Il y a Goodcher qui pose cette question. Est-ce que des parcs vont plagier Cars Route 66 Road Trip ou même Avengers Flight Force? Avengers Flight Force, c'est déjà un plagiat de Crazy Bat à Fantasyland quand il n'y a pas de VR. Il n'y a pas de VR. Il fait tout noir. Et Cars Route 66 Road Trip, c'est aussi un peu un plagiat de... Quel chemin dit on peut plus faire? Autopia. Autopia, je trouve. Autopia quand ils ont vu Solaria. Je crois qu'il y a plus de choses intéressantes à voir dans National 7 à Asterix que dans 15 Road Trip. Genre vraiment haut la main. Oh là là. Attention. Breaking news. Del Perry porte à publier un tweet à 18h13.
Selon la liste des projets d'un expert, Starbucks France a mené des études d'évaluation lors de la fermeture du resort pour transformer Market House Delhi en un emplacement Starbucks. Rien d'officiel. On a rien compris. En gros, Starbucks France a regardé s'ils peuvent passer le Market House Delhi en Starbucks. Rien d'officiel officiel à présent, mais sauf que c'est un projet de longue date qui est toujours à l'étude. Aïe. Mais j'ai une question, Maxime, j'ai une question qui me traverse l'esprit là. Une question qui me taraude. Et est-ce ouais. que. Est-ce que. Toi qui es spécialiste de Starbucks, parce ouais. qu'on rappelle que tu es de droite. Ouais. Est-ce que. Alors, je ne prends que des coups de lime. Est-ce qu'il y a des cookies à Starbucks? Oui. Let's go. Oui. C'est bon. C'est bon. Donc c'est bon. Et est-ce que tu penses qu'ils feront aussi 7 € d'augmentation sur les cool lime à Starbucks? Les quoi? Les cool lime, c'est des boissons. C'est du thé au citron. C'est ce que je prends quand je vais à Starbucks. Quel intérêt? Bah en fait le café à Starbucks me brûle la gueule. La dernière fois que j'en ai bu un, c'était. Ouais, la dernière fois que j'en ai bu un, c'était genre 2 heures avant de visiter Rangers Campus. Et j'ai même jeté parce que c'était bouillant en fait. Ouais, j'ai dépensé 5 balles comme ça. T'as pas attendu qu'il refroidisse? Bah non, je pouvais pas. Mais lui, ouais. Alors. Par contre, vraiment, Starbucks à la place de Market House Delhi, ça pourrait rouvrir Market House Delhi, ce serait incroyable. Mais il est ouvert Market House Delhi? Ah bon? Grand. Bah, est toujours ouvert Market House Delhi? Market House Delhi, c'est là où t'allais. C'est les glaces Ben & Jerry's? Bah non. Si, si. Ça, c'est Gibson Girl. Putain, Market House Delhi, c'est là où tu as les sandwichs des 30 ans et tout ça. Ah oh, putain, ouais. Mais sandwichs des 30 ans, je vais faire comment, ouais? Alors que finalement, c'est vrai qu'effectivement, vu sous cet angle, Gibson Girl... Mais je pense que si Starbucks vient s'implanter, c'est pas pour avoir un concurrent qui fait à peu près la même chose à côté. Bah, attends, c'est savoir si Valar va prendre son café au Baker ou si... au Bake Shop ou s'il va le prendre au Starbucks. Market House Delhi. Alors, je connais Valar, c'est une mauvaise personne, il va aller à Starbucks. Je vais faire... Non mais attends, c'est juste pour goûter. Mais je goûte à chaque fois. Clippez pas ça. On est obligé de faire un montage du live avant de le poster sur YouTube. Oh, vous allez rigoler. Putain. Effectivement, je crois qu'elle est un peu forte parce que j'avais perdu ma bière. Hop, elle est morte. Hop. Ah, c'est fini, je crois. 100% plagiat, 200% bouffe, le label et l'apéro. Putain. Ça me dire qu'on s'est fiché parce qu'on a quand même dérivé du sujet. Tiens, on va faire un petit point sur Twitter en même temps. Parce que bon, le plagiat, c'est un sujet, pour rappel... Ah, mais j'ai jamais envoyé le tweet qui parlait du début du live. Non. Ah, je l'ai écrit, c'est con. Putain. Incroyable. Ah, c'est vraiment dommage parce qu'il est écrit et j'ai jamais cliqué sur tweeter parce que t'as dû me déconcentrer un moment. Et puis on va arriver vers la fin du live en plus, donc c'est parfait. Je trouve que tu vas bon. Je vais pas le tweeter maintenant, c'est un peu con. Tu veux que je tweete? Bah vas-y. Allez. On va faire un petit pic. Ah merde, c'est trop con. Ah merde. Ah, je l'ai vraiment préparé, il était tout prêt. Il y avait un gif, il y avait un lien, il y avait les lives, il y avait tout ce qu'il fallait. Le plagiat? Ouais. Et du coup, c'est bien, les gens qui vont arriver là vont rien comprendre à ce qu'on raconte, c'est parfait. Maintenant, il y a une question existentielle qui est... est-ce que ça copie le bois de Plop? Incroyable, cette musique! Ah, c'est Valar qui joue avec son corps, là. La profondeur des scènes. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, tu regardais pas la caméra. Si.
C'est incroyable. C'est incroyable ce truc. Ah, c'est magnifique. Ça fut une belle surprise. Hein. Dans l'ambiance. Faut... C'est le moment de s'envoler dans le pays des rêves. Faut que je change les couleurs en fonction de... Ah ouais, t'en es là, toi. C'est un son lumière qu'on pose sur ça. C'est là qu'il y a un cul, non ? Je crois. Incroyable, incroyable ce truc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc avec le bois de plop ? La forêt ? Je sais pas qui. En toute sincérité, je sais pas qui plagie qui. Parce que je sais pas si Apirama était si proche que ça. En fait, le truc avec le plagiat, c'est que. Avec le... Ah, mais c'est dans le noir. Noir. Le truc avec le plagiat, c'est que. À cause du plagiat, en général, c'est un copier-coller, c'est un côté kitsch. Là, on est vraiment sur un putain d'upgrade. On se rend moins compte en vidéo quand même, mais... Ah, cette scène. On chie à l'arrière. Les trois maquettes géantes. Le détail. C'est de la folie. Et puis en termes d'ambiance, c'est incroyable, quoi. Il y a un truc. Non, on n'a pas dit tous nos auditeurs, mais c'est pour la bonne cause. On a plus qu'on mérite. Donc oui, l'effet de pluie est là ou pas alors ? Bah là on le voit pas. Enfin je sais pas. C'est vrai que normalement il y a un effet de pluie. Maxime, c'est pas possible ! Si t'étais un peu perspicace, tu serais en mesure de te muter quand tu passes ton live à te moucher. Je partage. J'espère vraiment qu'un jour Margot va te péter la gueule. C'est déjà fait. Ah la photo. Bah oui, la photo, la fameuse photo qui sert à rien, mais elle est quand même là. Pire que DLP, les photos. Même moins cher. J'ai jamais regardé les prix, mais à mon avis, c'est moins cher. Et donc là, le réveil, un petit peu... Incroyable. Ah, putain, le honoré du Python. Voilà. Là, ça c'est le honoré du Python qui est fini. On a fait les deux loops. Moi aussi, j'ai envie d'y aller, Léa. On y va ? On se barre ? Après, j'ai envie d'aller à Fanta aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que c'est un plagiat du bois de Plop ? Non. Il y a un peu de mauvaise foi parce que je serais même pas étonné que ce soit plutôt l'inverse. C'est moi le lutin Plop avec tous mes amis. Je mets pas de presque, j'ai plus envie. Je vous demande de faire un choix. Nagla, je t'ai vu cliquer. Salaud. Oh, putain, Nagla, baisse les yeux. Nagla, démission.
Et voilà. Merci Max de nous partager. Incroyable. Il y en a qui manquent pas d'air et Max il manque pas de glaire. Au programme du label de l'apéro. Merde, je me suis planté. Ah non, il a tout cassé. Attention, attention, il va y avoir du bruit. Au programme du label. Voilà. Pardon. Santé, mais pas des pieds. Mais qu'est-ce que tu fous, Maxime? Non, c'est que j'aurais juste de scène, vite fait. Mais t'es pas net, Maxime. Oui, je suis pas net. C'est vrai. Ah, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Tu te souviens qui était avec nous avant, sur les lives? C'était Valar. Ah, qui ça? Egal, là, il est en photo avec nous. Ah, salut! Salut Valar! Salut Valar, comment ça va? Bienvenue! C'était bien le conseil de classe? C'était pas de glace ou pas? Et n'oublie pas, Valar, qu'un vrai magicien tient toujours ses promesses. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour la première fois. Il y aura d'autres choses à faire. Je pense qu'il y a un vrai sujet Jungle Cruise. On a encore fait question de Jungle Cruise. Probablement. Phantom Mansion. Il y a après Phantom Mansion a un peu fait le mois dernier. Il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet Pays des Contes. Ouais. Sujet Space Mountain. Toutes les petites attractions de balade à la con là. Space Mountain. Toutes les versions de trucs. Space Mountain, genre Spatial Experience et toutes ces merdes. Et Eurosat, et Euromir, et... Ah, donc Drumblurt n'est pas un plagiat de Pop. Désolé Nagla, tu es le seul à avoir voté oui. Et c'est vrai qu'après, qu'est-ce que c'est d'autres attractions qui peut être un peu plagiée dans les autres parcs C'est moi le... En tout cas, il y a quand même un seul truc qui, en général, n'est pas plagié. De DLP, sauf à Popsa, c'est le prix de la bouffe et le prix des boissons. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est si cher, Plopsa, aussi. Putain, 5,50€ le coca. Tu te souviens, quand on a regardé le prix... Non, c'est 5€, et après, il y a 20... C'est 20 centimes de consigne, je crois, je sais plus. 50 centimes. C'est 50 centimes de consigne, ouais. Putain. Est-ce que je me suis retrouvé avec un 1€ entre les mains? Je sais pas comment faire, parce qu'il m'a fait... Il me fallait encore 10 bouteilles de coca pour pouvoir me repayer un coca. Oui, parce qu'au final, à 50 centimes la caution, puis à 5€ le coca, il faut que tu prennes 11 bouteilles, parce que si t'en prends 10, tu peux pas payer ta consigne. Effectivement, donc à Plopsa, le coca, tu le payes 5€ et t'as 50 centimes de caution, donc forcément, si tu veux profiter de tes récupérations de caution pour t'en racheter un, il en faut 10. Breaking news. Nagla nous balance une breaking news. Max serait le nom du nouveau service suite à la fusion des services de streaming HBO Max et Discovery Plus. Je suis flatté que ce soit mon surnom qui est utilisé pour ça. Moi, je dirais juste que à la suite de, ça se dit pas. Voilà, parce que j'ai mal lu le truc. Suite à la fusion. Ouais, ça va. La soirée, si je parlais bien. Non, en fait, c'est suite à qui se dit pas. Excuse-moi. Je crois que c'est pas correct. Ah, bah donc c'est Nagla. Je sais plus pourquoi, mais ce n'est pas correct. Putain, Nagla, il fait des fautes de français en ce moment. Au jour d'aujourd'hui, suite à la fusion. Ouais. C'est Nagla ou c'est Seg pas glaçant? Oh putain. Oh, on rigole. Pardon, c'était de l'humour. C'était pas bien. C'est déplacé. Bon, il n'y a plus personne sur le live, donc ça va. De toute façon, je suis sûr que si Nagla, il est dans un bateau, ce sera nul, ça. Bon, il est temps de couper le live, merci allez, à allez, tous. Et hop, l'alcool, c'est un fort, la modération, tout ça. Mais j'ai pas bu ce soir, j'ai pas bu. Putain, malgré que j'aurais pu vérifier. Oh la vache, merci Nagla. Bah super. Un point sur le label. Un point sur le label. Oui, demain il y a un podcast qui sort, Maxime. Apparemment. Il faut que je le monte. Et c'est bien parce que toi tu vas pouvoir monter un podcast pendant que ta chère moitié va te démonter. Ça va être. Il y a du dick ce soir. Nagla fait 2 heures de jeu ce soir. Il a donc deux flancs qui vont arriver.
Nagla, il enregistre deux flancs ce soir, et du coup, il y a deux flancs, et il y en a un qui sera bien. Ou alors, et peut-être les deux. Il fait casse à l'enregistrement, mais ressentit deux enregistrements. Ah, ça, je te laisse mettre de tes propos. Je me permettrai pas. Mais ouais, et puis, rien que dit, on est sur, je pense, ouais. Je voudrais pas... notre dernier podcast sur l'inflation, parce que, comprenez, ça fait de l'inflation et vous nous, et on se fait enfler, de Disneyland Paris, et ben, je pense qu'il est parti pour être le meilleur lancement ever dans l'Indie Pensée. Il faudra voir s'il arrive à être au niveau de la révolution des salariés et des PA. Mais en tout cas, vous êtes très, très, très nombreux à écouter ce podcast. Et n'oubliez pas le podcast sur Bob Chapek, parce que bon, il a bien marché, mais il marche moins bien depuis quelques jours. N'oubliez pas aussi la chaîne YouTube de Musicland avec les différentes covers que j'ai fait longtemps que je n'ai pas fait une. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi comme notre... Tiens, en novembre, le Label et la Bête a fait son meilleur mois en termes d'écoute. Ouais. Les podcasts. Et nous, on a fait notre deuxième meilleur mois à 38 écoutes. Et bien, rien d'y penser aussi. Et comme on a fait tous les deux notre deuxième meilleur mois, Ça s'arrose et... Tentez. Et ça permet surtout de faire le meilleur mois du Label. Et... N'oubliez pas aussi Alex Secret Disney, ses livres. Ah oui, c'est vrai. Et Alex, il fait un livre. Et puis voilà. Valar, un avis ? Bah oui, moi je trouve que franchement c'est super cool que vous faites la Belle et la Bête. C'est pour ça que je vous donne de l'argent tous les mois et je devrais vous donner plus. Bah n'oubliez pas, vous pouvez faire des dons en plus. Et tout le monde a le droit de nous faire des dons ? Alors ouais. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? On remercie encore Goodcar, Léa et Nagla notamment hein, pour leur sub Prime. Et puis merci encore à tous d'être venus sur ce live et d'avoir discuté avec nous. C'était fort sympathique. Et ben, merci beaucoup Goodcar, tu es un être exceptionnel. Et tu peux aussi faire des dons sur Utip. Tu peux rajouter de l'argent et puis tu cibles les personnes que tu veux viser. Ouais. Et de toute façon ça partira. Non, c'est fini, ça partira maintenant. Je pense qu'on peut plus. c'est illégal, mon cher. La semaine prochaine, le Label et l'Apéro, il sera en deux parties, toujours, comme d'habitude. Hein. Valar sera de retour. Ouais. Première moi, partie. Je partirai. On sera le 12 décembre 2022. Donc, Valar nous dira oui, c'est le dernier jour du siècle ou est-ce que. Non, c'est le dernier jour du. C'est le dernier ah jour oui. La... C'est le dernier jour de la décennie ou est-ce qu'il y a tous les deux à la fin ? Non, c'est parce que on pourra plus avoir de 12-12. Ouais, mais 12-12, bah si. En 2112. C'est à chier son truc. Bah, c'est Valar. C'est parce que ça fait 12-12-22. Oui. Oh, mais c'est nul. C'est les deux à la fin. Ouais. C'est à chier. Et tu savais que la première ministre qui a démissionné, c'est la première femme première ministre en Angleterre qui a connu deux rois. Mais non. C'est fou ça. Si. Incroyable. Et donc. Oui, Daglan, nous aussi, on a rien compris. Et je te rassure. Et donc, la semaine prochaine, on fait un truc sur les fake news et les rumeurs complotistes sur Disney. On va en faire 2-3. C'est pareil, je pense que c'est un concept qu'on va pouvoir répéter à l'infini avec Valar. Et au pire des cas, nous, on pourra l'inventer, vu que ce sont des rumeurs et puis des complots. Et puis, en deuxième partie, on recevra Charline. Du podcast Popcorn Therapy qui a eu l'occasion de visiter Efteling à Noël. Waouh! On pourrait lui demander si c'est Cidron Vlurt, c'est une copie du bois de Plop. Et elle nous parlera un petit peu de Efteling à Noël. Est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pas cool? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire que l'été? Est-ce qu'il y a autre Nagla, il parle de Popcorn Revenge alors qu'il l'a jamais fait. Popcorn Revenge, c'est trop cool. Ouais. C'est une super attraction. C'est mieux que web. Ah bah ça. Et ben voilà. Merci encore à tous d'être venus. Cœur, merci d'avoir préparé ce. Ouais, merci ce à tous. Live. Et cœur avec les doigts. Et puis même cœur. S'ils sont coupés. Et puis, cœur, il a une caméra, il est heureux maintenant. Ah bah oui, bah, moi on m'a dit il faut être visuel, il faut être expansif, tu vois. Moi j'explose le cadre, tu vois. Tant que tu peux que le cadre et pas autre chose. Allez, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Ouais, salut, moi je vais sortir le chien. Non, c'est ma chambre là derrière en fait. Derrière la porte. C'est étonnant, hein, mais c'est comme ça. Attends, moi je vais prendre l'ascenseur. À toi aussi. Allez, au revoir.
C'est tellement long visuellement. Non, c'est le bordel en haut sur mon étage. C'est tellement long visuellement. Bonne soirée, salut. Ah si, on va arrêter quelqu'un. On sait pas qui, on va arrêter quelqu'un. Ah bon? Donc restez pour le raid. Bisous. Ready for the raid.